Bonsoir mes amis. Euh, J'ai bien reçu tous les éléments que vous m'avez envoyés relatifs à la fameuse bagarre qui a eu lieu au FEMOS, qui est un bar-restaurant. Euh, nous ne savons pas à qui ce restaurant appartient. Nous n'allons pas rentrer dans des cancaneries. Euh, je viens vous laisser rapidement mon avis. Ceux qui sont là, essayez de partager le direct, euh, taguer, euh, followers. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire, mais connectez-vous rapidement. Euh, nous, allons, nous allons essayer un peu d'échanger sur l'actualité. Je vais vous laisser mon avis sur euh, les derniers événements. Je vous ai dit que j'avais pris une activité professionnelle qui ne me permet pas d'être réactive, de... de de répondre aussitôt que vous me sollicitez. Donc, les amis, partagez le direct. Jeanne Moulin, bonjour. Euh, Brice Ateba, euh, bonjour. Bonjour à tout le monde. Partagez le direct. Mais vous savez, moi, je ne, je suis pas tenue par le nombre dont je commence à parler parce qu'après, quand les gens nous réécoutent, eux, ils n'ont pas besoin de savoir que nous avons attendu que le public se constitue. Donc, je vais laisser mon avis, je vais échanger avec vous. Malheureusement, je ne pourrai plus prendre les gens euh, dans mes directs. Je ne prendrai plus les personnes, les interventions des personnes dans les directs. Pourquoi? Parce que parfois, le niveau des, des, des intervenants n'est pas calibré à notre page, ou du moins, la pertinence de, de ce qu'ils veulent dire ne contribue pas à l'édification des personnes que nous voulons euh, conduire ici sur cette page. Et euh, le plus difficile est que la qualité de notre son est fortement perturbée dès lors que nous avons admis les gens dans notre direct. Donc, ce que nous allons faire, malheureusement, c'est pas de la dictature. Déjà que je vous prive de mon visage, euh, et il faudrait pas que vous vous sentiez frustrés. Simplement que nous tenons à, la, euh, à ce que le message que nous envoyons au monde soit un message très clair un message pertinent. Nous avons dit que nous sommes des citoyens actifs. Euh, nous, nous, voulons, euh, nous voulons exercer notre citoyenneté avec beaucoup plus de pertinence. Donc vous allez peut-être me permettre ou alors vous allez m'excuser de ne pas pouvoir solliciter les interventions euh, des uns et des autres parce que malheureusement, lorsque vous venez sur ma page, il faudrait que le niveau soit un peu, euh, un peu le même. Euh, euh, C'est vrai qu'il y a tout public sur ma page, mais les gens viennent sur ma page pour s'élever, pour apprendre, pas pour... Euh, ce n'est pas de la condescendance intellectuelle, les amis. C'est simplement que notre page est une page didactique, une page citoyenne, une page engagée, et on n'aime pas trop la distraction ici. C'est vrai que de temps en temps, on fait le japap. Mais il n'empêche que lorsqu'il est question de parler des problèmes de notre pays, des problèmes sérieux de notre pays, euh... Euh, nous n'avons pas de place pour la distraction. Donc, les amis, merci d'être là. Euh, je disais que nous allons commencer notre direct là où nous l'avons laissé. Parce que nous avons malheureusement supprimé le direct que nous avons fait vendredi soir parce que la qualité du son n'était pas bien et que euh, les interventions n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on se serait attendu sur cette page-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle... Euh, nous allons refaire un direct. Vous allez souffrir euh, simplement d'écouter. Alors, les amis, après le direct que nous avons laissé sur euh, l'affaire Bapo, vous avez euh, perçu que j'avais suggéré aux autorités judiciaires de notre pays de laisser tomber cette affaire. Et dans le direct du vendredi, je vous expliquais qu'il ne s'agissait pas d'une décision habituelle parce que nous avons motivé les raisons pour lesquelles nous, en tant que. Euh, euh, des personnes qui avons étudié le, le droit, euh, sur le plan du droit, nous avons évoqué les raisons pour lesquelles nous pensions que le juge du tribunal, euh, le, le juge d'instruction, devait clôturer cette affaire ou du moins devait prendre des mesures pour ne pas priver euh, des hauts fonctionnaires de l'État du Cameroun dans une affaire que nous avons estimée être scabreuse. Et euh, nous remercions l'autorité judiciaire. Les juges du tribunal militaire qui nous ont suivis dans cette analyse que nous avons bien voulu partager avec les Camerounais, nous l'avons fait avec beaucoup de légèreté. Mais je vous dis, lorsqu'on dit des choses pertinentes, c'est vrai qu'il faut mettre un peu de sucre pour que ça pénètre bien, parce que les Camerounais aujourd'hui aiment le Congo ça. Et donc, même lorsque vous voulez dire des choses pertinentes, des choses savantes, euh, pour que ça puisse pénétrer, hein, il faut mettre un peu le Congo ça. Donc, je dis que je remercie le juge du tribunal militaire. Qui nous a suivi dans l'analyse que nous avons faite dans cette affaire de parfait Bapu, à savoir qu'il était impossible, impossible pour Bapu d'inventer une telle histoire. Euh, Bapu n'est pas un personnage euh, inconnu des autorités, euh, des forces de services de, 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 de sécurité euh, euh, ou de défense. C'est une personnalité très introduite et je vais vous dire que ce n'a rien d'illégal. Vous savez que... Euh, les, les enquêteurs de la, de, des officiers de police judiciaire travaillent essentiellement avec ce qu'on appelle des indiques. Des indiques qui sont eux-mêmes d'abord des bandits. Je vous dis que dans tous les quartiers de Yaoundé, il y a un chef bandit qui rencontre à la police. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un coup, il est là, il fait aussi souvent des coups. Hein. Quand il vole quelque part, les gendarmes savent que c'est lui, mais on le laisse jusqu'à ce qu'il commette quelque chose de grave. Et donc, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, dit que les forces de, de sécurité et de défense travaillent avec des personnages euh, du calibre de, de, de Bapo. Au-delà du, du renseignement, euh, on ne peut pas faire le renseignement si on ne peut pas euh, échanger avec quelqu'un qui va vous dire telle personne c'est un féman, l'autre il est dans le tchatchal, l'autre c'est ceci. Non, c'est ça le renseignement. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler dans le renseignement sans avoir des gens introduits. Dans d'autres systèmes, lorsque vous lisez les histoires de la CIA, vous voyez que parfois, les agents de la CIA euh, euh, sont introduits dans les cercles de la mafia. Vous êtes là, vous travaillez avec quelqu'un dans la mafia, c'est le jour qu'on vient vous arrêter, vous ne savez même pas qui vous a balancé, simplement parce que la mafia, le, le, la CIA a euh, 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 pris un de ses éléments, on, on, on lui a donné une fausse identité, on lui a donné les. Les, tous les arguments d'un bon mafioso et il vient il, il intègre votre milieu donc nous n'allons pas ici indexer les forces de sécurité et de défense en disant que oh, comment est-ce qu'elles peuvent collaborer avec une personnalité aussi euh, controversée que Hervé Bapou. mais moi je vous ai dit ce que je pensais d'Hervé Bapou. Euh, je pensais que c'était un homme qui était honnête il a fait il a choisi de, de son métier je sais pas si c'est son métier ou c'est alors je vous ai parlé la dernière fois je vous disais que en réalité, ce que Bapou fait, euh, ça s'appelle dans les milieux occidentaux du lobbying. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux ou trois, quatre petits numéros, euh, vous introduisez euh, des gens quelque part. Ça s'appelle des apporteurs d'affaires. Et donc, forcément, dans le cadre des affaires, je vous le parle, euh, avec autorité, dans le monde des affaires, oui, il y a des commissions qui peuvent être exigées euh, de la part des personnes que vous aidez à avoir des affaires. C'est tout à fait légal. Je, je peux dire que c'est tout à fait connu. Euh, de la part de ceux qui font les affaires, qu'en réalité, une personne qui vous aide à avoir une affaire, une personne qui vous apporte une affaire, il y a un pourcentage. Je ne pourrais pas encore catégoriser cela dans le cadre de la corruption. La corruption va intervenir à un autre degré. Donc nous avons expliqué au juge du tribunal militaire que, sur le plan du droit, en ce qui concerne cette affaire du faux contre Amiral Fouda, il y avait des insuffisances. Qui allait peut-être aboutir à euh, soit à un non-lieu ou du moins à ce que le, le tribunal euh, constate son. son euh, comment dire ça euh, 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 Qu'il n'est pas compétent pour connaître euh, euh, ce, ce, cette affaire. Parce qu'on ne peut pas poursuivre des gens en escroquerie devant un tribunal militaire. Il y avait des gens, malheureusement, qui n'avaient rien à voir avec une affaire euh, militaire, euh, qui se sont retrouvés dans le même dossier, en complicité d'escroquerie et qui étaient placés en détention provisoire par le juge du tribunal militaire. Donc à un moment donné, même si l'affaire allait devant, on allait dire au juge militaire, tu n'es pas compétent pour connaître une affaire d'escroquerie simple. Hein? Tu n'es pas compétent. Maintenant, je ne vais pas expliquer à, à mes amis, je vais peut-être prendre le temps pour vous expliquer. Ce que c'est que la compétence en matière judi euh, 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 judiciaire ou juridique, hein, je vais vous faire un petit coup de, de droit parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé que qu'est-ce que nous pouvons, j'attendais, je, je prends la, la petite prise, qu'est-ce que nous pouvons bien enseigner à la jeunesse Je pense que euh, ceux qui viennent nous écouter ici le sont pour la pertinence intellectuelle de ce que nous disons et la, les, la catégorie euh, socio-professionnelle qui nous écoute. C'est généralement des gens qui ont un niveau très élevé. Euh, D'où toute la jalousie que nous subissons sur les réseaux sociaux. Et donc nous disons que nous allons un peu euh, vous édifier en ce qui concerne les compétences des tribunaux. Compétences veut dire quoi Vous savez qu'en droit, les amis, euh, le, le législateur a divisé. Le législateur, ça veut dire la personne qui fait les lois au Cameroun, notamment l'Assemblée nationale. Euh, le législateur a divisé les tribunaux il y a le tribunal de première instance le tribunal de grande instance il y a le, le tribunal la cour d'appel il y a le tribunal un tribunal spécial pour les plus grands voleurs du Cameroun ceux qui volent la partie de 50 millions à, à l'état qui on appelle le tribunal, tribunal spécial qui est un tribunal spécial comme on le dit après maintenant il y a la cour suprême donc ce qui se passe c'est quoi en fonction de votre problème on peut décider que votre problème, c'est un petit problème. C'est-à-dire que les problèmes qui ne... Oh, où est mon chargeur Les problèmes qui ne, qui ne vous font pas durer en prison. Oh, les amis, on sera obligé de chercher d'abord la tête du chargeur. Les problèmes qui ne vous font pas durer en prison. Ah, j'ai vu. Les problèmes qui ne vous font pas durer en prison, on vous envoie au tribunal de première instance. Quel est le problème qui ne vous fait pas durer en prison Peut-être, on vous a arrêté, vous n'avez pas la carte nationale d'identité. On appelle défaut de présentation de CNI. C'est pénalisé au Cameroun. Vous partez faire deux, trois mois ou un mois en prison si le juge a pitié de vous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle escroquerie simple, c'est-à-dire ce qui m'avait amené en prison. Escroquerie simple, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment où tu avais escroqué quelqu'un, tu n'as pas fabriqué un document. Tu n'as pas fabriqué un faux document. Tu n'as pas, euh, non, tu n'as pas menacé la personne. C'est ça qu'on appelle escroquerie simple. Euh, on t'amène au tribunal de première instance parce que là-bas c'est une petite escroquerie. Euh, tu as seulement menti à quelqu'un. Donc c'est supposé que tu as menti à quelqu'un que je peux te faire comme ça. La personne t'a donné l'argent simplement. Donc escroquerie simple, ça passe en première instance parce que vraiment quand le si le juge est sévère il va peut-être vous donner 18 mois. Mais lorsque le juge est clément, oui, c'est des petits trucs de 6 mois, tu sors de prison. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bagarres. Les gens qui bagarrent souvent dans les marchés, là. Ça arrive là-bas, oui. Les vols simples, c'est-à-dire que tu as, tu as arraché, tu as volé sans avoir une arme. Tu as volé sans taper quelqu'un. Voilà, tu passes là-bas. Donc, il y a des... En fonction de l'infraction que vous avez commise, la justice indique un tribunal où on doit te juger. Maintenant, les, les, les affaires qui partent au tribunal militaire, généralement, c'est des affaires qui, si tu pars braquer, et pendant votre braquage, quelqu'un a utilisé une arme à feu. C'est-à-dire qu'une arme à feu au Cameroun, on a dit que ce n'est que les militaires qui doivent avoir les armes à feu. Les gens en tenue. Toi, un civil, tu te retrouves sans autorisation de port d'armes. Avec une arme à feu, la loi camerounaise dit que ce n'est pas un tribunal civil qui doit te juger. Le tribunal civil veut dire que le tribunal où les magistrats sont des civils. Ce n'est pas. Parce qu'au tribunal militaire, c'est vrai qu'il y a certains juges civils là-bas, les magistrats civils qui sont là-bas, mais tous les magistrats qui sont là-bas sont d'abord des hommes en tenue. Et on dit que quand tu pars braquer quelque part, tu as le fusil. Si tu pars braquer, tu as la machette, tu passes au tribunal de grande instance. Mais si tu pars braquer et tu te retrouves dans le braquage avec l'arme à feu, ou alors tu portes des tenues militaires, tu te fais passer pour un militaire, tu entres chez les gens, tu passes au tribunal militaire. Et donc je vous explique que dans cette affaire de Hervé Bapou, il y avait, on ne comprenait pas trop la corrélation. On dit que oui, celui qui a porté plainte, c'est un militaire. Mais sur le plan de la compétence matérielle aussi, ou de la, la compétence, la compétence matérielle. On dit que oui, c'est vrai que celui qui porte plainte, c'est un militaire. Il porte plainte à un civil. Non, en, en matière de compétence, c'est d'abord le, le juge civil qui va connaître l'affaire. C'est vrai que l'autre est militaire, mais il part, il part d'abord au tribunal militaire. Pourquoi On dit qu'on a trouvé une arme à feu sur Bapou. Et oui, bas pour lui, on a trouvé une arme à feu sur lui. Son affaire doit partir au tribunal militaire. C'est le tribunal militaire qui va juger son affaire. Parce qu'on a d'abord trouvé une arme à feu sur lui et il n'a pas présenté une autorisation de port d'armes. Parce que le port de, de, des armes à feu au Cameroun est réglementé par la loi. Oui, bas pour lui. Parce que ce n'est pas parce que l'affaire est finie. Lui, il doit expliquer. Pourquoi il se retrouve dans un pays comme le Cameroun où les, le, le port des armes est réglementé avec une arme sans autorisation Maintenant, les fonctionnaires qu'on a arrêtés, eux, ils partaient faire quoi dans le dossier de Bapou On dit que ce sont les personnes avec qui il a escroqué. On dit, il a escroqué qui Ce n'est pas la personne qu'on a escroqué qui a porté plainte. Pourquoi Parce que pourquoi on inculpe quelqu'un en complicité d'escroquerie Parce qu'il fallait d'abord que je vous explique. Et maintenant, nous allons faire le débat politique. Et même après, si vous voulez, on va faire le diapo. Mais il est question aujourd'hui d'édifier. Ce n'est pas tout le monde qui a étudié le droit, malheureusement. Il y a même des gens qui ont étudié le droit, mais qui ne le comprennent pas très bien. Pourquoi le juge Parce que je vois les blogueurs, euh, certains blogueurs commencent à dire non, c'est parce que Chantal Biatro, les bras longs. Non, sur le plan du droit, il y avait un problème. Vous savez que je ne suis pas une fervente supportrice de Chantal Bia. Mais il y avait un problème sur le plan du droit et le juge a estimé que si ça va devant, il va avoir des problèmes. Pas qu'il va avoir des problèmes. Ça ne fait pas toujours plaisir lorsque l'État est condamné d'avoir amené quelqu'un euh, euh, injustement en prison. Donc nous allons d'abord vous expliquer, démonter des arguments fallacieux qui sont propagés. Par les blogueurs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop quoi, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que tel blogueur soutient le régime ou ne soutient pas le régime. On ne sait pas à quoi il joue, c'est des commerçants de l'information. Et je vous l'ai toujours dit. Mais il est question aujourd'hui d'édifier le public intellectuel. Parce que ce n'est pas tous les intellectuels qui ont étudié le droit. Le public intellectuel qui est sur notre page, sur les raisons qui peuvent motiver, un juge, un magistrat. Qui a un dossier devant lui de dire que finalement je me dessaisis de l'affaire. Donc c'est pour cela que avant de venir analyser sur le plan politique et venir analyser les nouveaux éléments que nous avons, nous nous, nous éclairons d'abord l'opinion sur notre opposition parce que nous n'avons pas eu accès au dossier, mais notre lecture qui peut être éclairée au vu des rudiments intellectuels que nous avons, nous partageons avec le grand public. Nous disons que dans le dossier de Bapu il y avait ce qu'on appelle les infractions connexes en droit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème principal. Maintenant, il y a des petites infractions qui se sont collées, 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 collées là-dedans. C'est-à-dire que les enfants des problèmes se sont collés sur le problème. Parce que le problème principal, c'était que l'amiral dit qu'on usurpe son, son identité. Il y a des gens qui mentent avec son nom, qu'ils le connaissent. Maintenant, ces gens-là, parce qu'ils te mentir avec son nom, ils ont escroqué l'argent aux gens. Donc, la, la, le, le contre-amiral, conseiller du chef de l'État du Cameroun, dit qu'il a eu l'information que Bapu marche avec son nom pour escroquer les gens. Donc, sur ce plan-là, parce qu'on vous a dit que la justice, c'est l'épreuve, on allait demander au, à, à, à l'amiral, parce que quand tu portes plainte contre quelqu'un, c'est que tu vas te présenter au tribunal pour témoigner. Donc, imagine, parce pour venir, on va t'entendre au tribunal. On ne porte pas plainte pour ne pas après se présenter au tribunal. Parce que vous devez aussi comprendre tout ça là. Tous les citoyens sont des justiciables. ça à dire que tu, tu portes plainte à quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas rester dans ton bureau. Et non, on va t'interroger. Parce qu'il est question qui est la manifestation de la vérité. On allait demander s'il y avait ce procès. D'abord, le grand conseiller de Paul Biya, un général, il devait venir se placer à la barre avec Bapu. Il devait venir à la barre et on allait lui demander que, mon général, vous avez su comment que Bapu... Est-ce que vous connaissez Bapu Il allait dire non. Est-ce que vous avez entendu parler de Bapu quelque part Il allait dire non. Le, on allait lui demander, l'avocat de Bapu allait lui demander que, comment avez-vous été informé que Bapu utilise votre nom pour escroquer les gens puisque devant nous là on n'a aucune plainte pour escroquerie parce que c'est la plainte pour escroquerie qui devait déclencher la, la plainte de la, du contre-amiral c'est à dire qu'il fallait qu'un plaignant vienne dire au, à, 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 devant une, une juridiction que moi je porte plainte à Bapu que Bapu m'a escroqué en disant qu'il me met en contact avec l'amiral. Oh, une telle plainte n'existait pas. Donc, on allait demander au contre-amiral, comment est-ce que vous avez été informé Comment vous avez su Un citoyen est chez lui. Il n'y a pas eu une plainte. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint qu'on m'a escroqué avec le nom de l'amiral. Comment vous avez su que ce Bapou-ci, ce Bapou, prend de l'argent auprès des gens avec votre nom je vous ai dit, les amis, la justice, c'est la preuve. Hein. On ne, ce n'est pas parce que tu portes plainte à quelqu'un que forcément tu as raison. Parce que parfois, vraiment, il faut éviter les bavures judiciaires. Personne n'a porté plainte à Bapou pour escroquerie. Et donc, l'amiral devait apporter les éléments de preuve. C'est-à-dire, un, soit des témoignages formels. Des gens qui viennent à là-bas, des hommes d'affaires, qui disent que moi, j'ai donné 200 millions à Bapou. J'ai donné 300 millions à Bapou, parce qu'il m'a promis de me faire rencontrer l'amiral. Mais ce type de témoins là l'amiral allait les trouver où Le contre-amiral. Il ne sait même pas si c'est amiral. Mais nous, on a eu l'habitude depuis de l'appeler l'amiral. Donc, vous allez seulement souffrir. Donc, l'amiral c'est qu'il va m'excuser. Mais j'ai seulement dit l'amiral, parce qu'on a toujours été habitué à l'appeler l'amiral. Donc, je suis en train de dire que le contre-amiral Fouda, Allait apprendre les témoins. Ou alors il allait prendre les documents où? Pour dire que ça avait ce document-ci, ça avait cette carte de visite-ci, ça avait ceci. Est-ce qu'on a trouvé les cartes de visite du contre-amiral Subapou? Non! Est-ce qu'on a eu quelqu'un qui est venu témoigner dans le cadre de l'enquête en disant que oui, effectivement, moi, il m'a pris de l'argent? en disant qu'il va me présenter. Non, donc le contre-amiral ne devait pas avoir, ne devait pas avoir euh, euh, des éléments pour, 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 pour soutenir sa posture devant le tribunal. Et il allait perdre le procès. Et qui dit perdre le procès pour le conseiller spécial du, du président de la République, c'est perdre la face. C'est perdre la face. Donc, ce que les juges ont fait, ils savent qu'ils peuvent prendre Bapo sur d'autres dossiers, sur d'autres choses. Hein. Parce que ce n'est pas parce qu'on laisse un bandit que forcément Banqui ne connaît pas le problème qui peut amener. Parce que Banqui connaît tous les problèmes des bandits de Yaoundé. Le colonel Banqui connaît tous les problèmes des bandits de Yaoundé. Donc, c'est lui qui décide. Tant que tu n'es pas nuisible, il te laisse, tu fais ton banditisme, mets-le au courant. Donc si on veut nuire à Bapou, le colonel Banqui connaît le problème qui peut amener Mbapu en prison, mais pour le moment on le laisse parce qu'il n'est pas gênant. Mbapu, dans l'espace médiatique de Facebook, c'est le fervent soutien de Paul Biya. Il n'y a pas quelqu'un, vraiment, de tout ce qui essaie de montrer la face publiquement, parce que les gens il y a des gens qui mangent, mais pour venir soutenir l'imposture politique au Cameroun, il n'y a personne. C'est les BAPU comme ça. Oui, parce qu'eux aussi mangent un peu derrière. Qui soutiennent le président de la République dans l'espace public. Donc, en même temps, c'est un bandit qui aide le système. Donc, pour le moment, Colonel Banqui le laisse. Mais dans le cadre de l'affaire du contre-amiral du contre Fouda, ce n'était pas possible. La question juridique la, la n'était pas de, de répondre si oui ou non BAPU connaît l'amiral. Parce que le fait de connaître quelqu'un, ce n'est pas ça qui est l'infraction pénale. Le problème, c'est de prouver que Mbapou a pris l'argent de quelqu'un en se faisant passer pour un proche de l'amiral. Donc, il fallait trouver un plaignant. Et jusqu'à ce que tout le temps que Mbapou a passé en cellule, il n'y avait pas le plaignant de ça. On a arrêté Mbapou euh, de manière très médiatisée. Ça veut dire que même si les plaignants étaient cachés même en Azerbaïdjan, les, les plaignants devaient atterrir au CED. Mais si après deux mois, aucun plaignant ne vient se présenter pour dire que oui, c'est moi, c'est à moi qu'on a pris de l'argent sous le fallacieux prétexte de me présenter, de me faire gagner tel marché, bah, le juge, malheureusement, il voit que le dossier, le juge d'instruction, il voit que le dossier ne tient pas la route. Il n'y a pas les éléments qui peuvent concourir à la condamnation de ce groupe de personnes qu'on a arrêté. Parce que je peux te prendre l'argent si tu ne portes pas plainte. Un magistrat ne va pas... C'est un, un problème entre toi et moi. Le magistrat ne va pas venir s'infiltrer dans des relations entre des personnes alors que personne ne se plaint. Si Ngobo ou alors Nyanjok, la, la fille de, de Medoulou, est partie prendre 100 millions à un gars, elle peut dire que ce sont chauds. Est-ce que le juge ou le magistrat, le magistrat a le droit de dire que non. Un gars n'a pas le droit de donner cent millions à une fille avec qui il sort. Tant que la relation, dans la relation, personne ne se sent lésé. Le magistrat peut peut-être ouvrir des enquêtes dans un autre sens. Mais toutes les personnes qu'on a arrêtées n'ont la signature sur rien pour qu'il y ait des enquêtes, peut-être dans le sens de la corruption. Euh, Nyanjok ne signe rien oh, euh, 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 ne signe rien. Ngobo ne signe rien. Toutes les personnes, les écassés, tout le monde qui voulait partir en prison, là, eux, ils n'ont aucune signature pour qu'on dise que non, ces personnes n'ont plus de l'argent pour signer, pour octroyer des faveurs, indument des faveurs aux gens. Donc l'enquête devait tenir sur la base de quoi, les amis. Vous pouvez écrire, hein. Vous pouvez écrire. C'est vrai que je vous ai expliqué tantôt que la qualité de notre son était perturbé lorsque vous interveniez de manière vocale. Mais ça n'empêche que vous. Il n'empêche que vous puissiez laisser quelque chose. Mais nous disons que sur le plan du droit, ça ne tenait pas la route. Une telle démarche, ça ne tenait pas la route. Hein? Nous, nous qui sommes habitués des tribunaux, on finit de monter un dossier. Quand on arrive là-bas, on démonte tout ça. Et on dit que non coupable. Mais entre-temps, on a sali ton nom. On a déjà sali ton nom que wow, 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 Tu as escroqué qui? Est-ce que c'est parce que quelqu'un dit qu'on m'a dit, est-ce que le on m'a dit que c'est un argument juridique? Est-ce que c'est une, est -ce est une pièce à conviction? On m'a dit, le Congo ça a dit que non. C'est de la diffamation. Donc, nous savons que le colonel Bankui, le jour qu'il va vouloir arrêter, Bapoui va l'arrêter. Mais pour le problème de l'amiral, nano, non, ça ne tenait pas, juridiquement, ça ne tenait pas la route. Donc, oui, effectivement, nous avons attiré l'attention des autorités judiciaires sur une injustice. Qui était en train de se préparer contre un fervent soutien de Paul Biya, contre un membre de la belle de la, de la famille présidentielle, nous avons attiré l'attention. Parce que, euh, quelles que soient nos, 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 nos convictions politiques, nous avons dit que nous ne sommes plus les soutiens de Paul Biya. Mais nous disons que nous allons lutter contre l'injustice au Cameroun. D'où qu'elle vienne? On ne peut pas venir enlever des citoyens. Les enfermer gratuitement, alors que c'est une affaire qui ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et donc, oui, la loi, elle est claire, la procédure pénale. Le juge peut à tout moment dire qu'il arrête les poursuites. Parce que ça n'a pas... Sur le plan du droit, ça ne tient pas. Pour qu'il y ait escroquerie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se qu'on m'a escroqué. Inculper des gens en complicité scroquerie alors qu'il n'y a pas le plaignant de l'escroquerie. On ne peut pas inculper quelqu'un en usurpation d'identité, en atteinte à la sûreté de l'État, alors qu'il n'y a pas des éléments. On ne l'a pas trouvé en train de casser. On ne l'a pas trouvé en train de monter un coup d'État. On, on, on a trouvé Mbapou sur son fauteuil, dans sa maison. On n'a pas trouvé. Bon, après nous allons analyser. Parce que je vous ai dit que sur le plan du droit, malheureusement, ce n'est pas parce que vous écoutez le voice que forcément, un voice est une preuve tangible, irréfutable. Donc, nous allons, nous avons expliqué, sans pour autant dire, on se dit peut-être que, on a lu ce que les blogueurs ont dit, oh, Chantal Bia sorti les talons sur l'amiral. Non. Ce n'est pas parce que vous portez plainte que forcément vous connaissez le droit. Lorsque vous déposez votre plainte, c'est pour que ceux qui connaissent le droit, Connaissent, de votre, connaissent cette affaire, c'est-à-dire donne un avis avisé et éclairer sur votre plainte. Et ceux qui connaissent le droit, qui sont là pour juger, on dit que dans l'affaire ici, il n'y a pas matière. C'est la compétence matérielle. Il n'y a pas matière à poursuivre. Donc le juge dit que je me retire, sortez. Ce n'est pas qu'il y a eu trafic d'influence. Je vois des gens qui vont déjà dans tous les sens. Oh voilà, les bibou sacs qu'on les a arrêtés depuis sept ans, qu'on euh, les a condamnés à sept ans. Les gens, oui, je vous dis que je suis la première à lutter contre les, les injustices, parce que moi-même j'ai été victime d'une injustice. Mais dans le cadre de l'affaire État du Cameroun, contre professeur euh, Fogé, Bipou Nissak et tous les gars du MSC qui sont partis, les amis, avant de commencer, avant de continuer, arrêtons-nous un peu un moment. Parce qu'on a dit qu'on va expliquer tous les problèmes de droit qui ont des incidences politiques. Nous sommes restés ici. Bibou Nissak a commencé à marcher sur tous les plateaux télé pour dire que le professeur Camto est le président élu du Cameroun. Les amis, il y a d'abord un problème de trouble à l'ordre public. Dès lors que l'institution en charge qui est le Conseil constitutionnel de donner les résultats de l'élection présidentielle donne le nom de quelqu'un. Personne au Cameroun n'a plus le droit. Ça, c'est pour que je commence à vous expliquer ça maintenant. Personne n'a plus le droit de contester le résultat de l'élection. Ou du moins de contester la. Mais ça, ça c'est une autre partie. C'est-à-dire que l'autorité, l'institution qui a autorité pour dire qui a gagné une élection au Cameroun. Dès qu'ils ont déjà dit, même s'ils restent ici en France, j'ai même pas déposé ma candidature. On dit que a été élue présidente de la République du Cameroun. Malène Mvutu. Vous, vous n'avez pas le droit de dire que Malène a déposé sa candidature quand? Vous devez seulement accepter. C'est l'autorité que l'État du Cameroun, c'est l'institution à qui l'État du Cameroun, c'est-à-dire vous, a donné l'autorité pour donner le nom de la personne qui a gagné les élections. Mais envoyez cette affaire dans les réseaux sociaux. Oh, président élu, le, le on, a même, on, on se moquait même de, oh la République de Facebook, ils ont dit que oui, c'est lui le président du Cameroun. On regardait cela. On vous a dit, on ne fait pas le buzz avec les institutions étatiques. On ne fait pas le buzz. C'est-à-dire, la pauvreté intellectuelle de certains communicants politiques fait que malheureusement, ils sont tombés dans cette affaire. Bon, ça a amusé la galerie. Jusqu'au niveau où ils se sont levés pour appeler les Camerounais. À se rassembler à la poste centrale pour aller enlever Paul tout Toudi. Les amis, ça a un nom en droit. C'est-à-dire que le législateur camerounais, je vous ai expliqué que le législateur veut dire que celui qui a écrit la loi du Cameroun, c'est-à-dire vous, c'est vous qui envoyez vos représentants à l'Assemblée nationale. Vous avez dit que, au Cameroun, personne n'a le droit d'inciter à la rébellion. C'est la loi. On dit que dès qu'on a déjà établi une autorité politique du au niveau du président de la République, personne n'a le droit de venir appeler les Camerounais que rassemblons-nous à la poste centrale, allons la lever. Eh les amis, c'est déjà une atteinte à la stabilité politique du pays. Parce que ce n'est pas parce que les Camerounais sont des peureux. Hein. mettez toi, chat, tu dis un truc comme ça. Parce que. Les, 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 non, ce n'est pas parce que les Camerounais aiment boire et, 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 et manger et aimer les femmes. Que la, les affaires de leur pays ne les intéressent pas, que vous allez minimiser de telles de telle démarches. Imaginez-vous que vous êtes dans un pays où les gens, les, les gens ont le sang à l'œil. Oui, c'est que les Camerounais allaient se lever les machettes et allaient enlever Paul dit. Malheureusement. Le fait d'organiser une manifestation, le fait d'appeler à l'interdite, euh, euh, le fait d'appeler à l'insurrection, malheureusement, c'est puni par la loi camerounaise, à des peines très très sévères. Et je pense que le juge militaire, lorsqu'il devait prendre la décision, de la condamnation, on n'a même pas tenu au compte du quantum de la peine. Parce que malheureusement, ce qui avait été retenu dans le cadre de cette affaire, non, les gars-là devaient passer 15 ans en prison, mais j'ai senti une décision clémente de la part du juge. Et ironique, ironique, les amis, parce que vous savez que le mandat du président de la République au Cameroun, c'est 7 ans. Donc le juge a dit que bon, quand vous dites que Paul Biya n'est pas président et il doit faire sept ans, allez un peu rester comme ça, ça vous gêne. Donc c'était une décision charitable et humoristique parce que tels que les tous les éléments, c'est-à-dire qu'il y avait les vidéos, il y avait des, il y avait des des, des des éléments probants, les preuves. Il y avait les vidéos de Bibi Noussak. Il, il y avait tout. Tout était réuni. Il y avait eu la marche de Douala. Des gens qui se lèvent comme ça spontanément. On a vu dans d'autres pays. Des marches spontanées comme ça ont conduit au renversement du régime. On a vu le cas de, 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 de la crise arabe. Des gens se sont levés comme ça, ils ont commencé à marcher et le pouvoir est tombé. Donc malheureusement, comme je dis, nous sommes les opposants aujourd'hui de Paul Biya. Mais nous disons que là où le droit doit s'exercer, en tant que défenseur du droit, nous laissons le droit s'exercer. Nous disons que dans cette décision des marcheurs du MRC, dans cette décision du juge, il y a beaucoup de clémence. Et il y a beaucoup... D'humour citoyen. On leur a donné sept ans de prison, c'est-à-dire que le même nombre d'années, puisqu'ils disent que le président qui a été élu les dérange, on dit allez alors faire 7 ans là-bas. Vous allez voir que 7 ans, ça passe vite, ou alors 7 ans c'est long. Allez rester là-bas pendant 7 ans. Mais ce n'est pas parce que le juge du tribunal militaire s'est déjà prononcé en première instance que oui, les voies de recours sont épuisées. On dit que oui, il y a les voies de recours au, Cam au Cameroun. Peut-être qu'ils ont fait interjeter à peine, mais moi, je suis sûr que s'ils partent maintenant à la Cour suprême ou je sais pas où, on risque de doubler la peine. Donc, mieux, ils gèrent les sept ans, là. Parce que je vous dis que le juge qui a donné sept ans pour les chocs d'accusation qui avaient été retenus, ah, il a été clément. Donc, les amis, c'est des choses que vous ne devez pas faire. C'est-à-dire que dès lors que un parmi nous là, est déjà passé devant le peuple camerounais à l'Assemblée Nationale. Il a prêté ses mains. Ce n'est plus votre égal. Vous ne devez pas vous lever comme ça et dire, oui, il n'est pas président. Non, on n'a pas le droit. Sa légitimité, lui, vient du peuple, de vous. Vous n'avez plus le droit de dire que non, il n'est pas notre président. Le président a fait ceci, non, notre président c'est tel. Non, vous n'avez pas le droit de le faire, les amis. C'est la loi. Comme Thomas a enseigné le droit, il sait que c'est ce qu'il nous a enseigné. On ne, peut pas, on ne peut pas contester la légitimité d'une personne qui a été élue par le peuple. Élue par le peuple, dont le résultat a été validé par le Conseil constitutionnel et qui a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Ça, ça, ça s'appelle le désordre. Et comme on connaît les, 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 que les démocraties africaines sont fragiles, malheureusement, le pouvoir judiciaire doit être ferme envers des gens qui veulent perturber euh, euh, l'ordre établi. Donc oui, les amis, malheureusement, sur cette affaire, je vous dis, le juge camerounais a été clément. Et vous voyez que, je ne sais pas à quel moment ils ont été arrêtés. Bientôt, vous allez les voir dehors. C'est tant, c'est rien du tout. Lorsque nous étions en 2018, en train de... Euh, en train de de, 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 nous, de, de nous battre là. On ne savait pas que non, mais dans moins d'un an, on sera encore là à dire que quelqu'un doit être président de la République. Le temps est passé. Moi, je n'ai même pas pris une seule ride. En sept ans. Donc, sept ans, les amis, ça passe comme, c'est très vite. Donc, les amis, maintenant que je vous ai expliqué ça, je vous ai dit, nous faisons du sacerdoce. Je vous ai dit, c'est ma nationalité camerounaise. Tant que les Français ne m'ont pas donné leur nationalité pour parler de leurs problèmes, moi, je parle des affaires du Cameroun. Je suis là pour parler des affaires de mon pays. Maintenant, euh, Roxane Iliana elle me dit, partagez mon direct, on vient déjà me signaler. Mettez les cœurs, faites quelque chose. Elle me dit, je trouve que ton raisonnement est très différent. Donne de tes précédents lives à propos du même sujet, Bapu. Ça veut dire que tu ne me comprends pas, Roxane Iliana. Je t'ai dit, malheureusement, euh, euh, les discours de ceux qui ont un certain calibre intellectuel ne sont pas accessibles au cerveau de tout un chacun. Si tu étais juriste et tu avais écouté mon précédent live, j'avais demandé à ce que Bapu soit libéré. On a dit qu'on a une longue conversation. Vous avez vu, j'ai commencé le live tôt. Parce que nous allons utiliser le temps que nous permet Facebook pour laisser notre message. Et donc, nous allons dire, pour conclure cette affaire, pas pour conclure, cette première partie qui était celle où le droit est intervenu. C'est la partie où le droit est intervenu pour vouloir connaître une affaire politique ou politicienne. Euh, nous avons dit que le droit, euh, la justice, malheureusement, ne pouvait pas s'exercer dans ce cas précis de manière équitable. Parce que malheureusement, des, des, des innocents devaient être en prison, comme le docteur Ngobo, qui n'ont rien fait, qui a voulu euh, aider même. L'État, en signalant, parce qu'on a le droit de faire des dénonciations, elle s'est retrouvée derrière les barreaux, injustement. Donc, il fallait que... Oui, ça ne veut pas dire que dans six mois, on ne va pas les arrêter. Hein. Mais pour un dossier qui sera mieux ficelé. Et peut-être, en ce moment-là, moment le plaignant ne sera pas l'amiral. Le plaignant sera l'État du Cameroun. C'est ça que vous ne savez pas. C'est pas parce que c'est toi qui as porté plainte la première fois. Peut-être que la prochaine fois, ce sera l'amiral lui-même qui sera arrêté. Ça dépend. Parce que ce n'est pas parce qu'un dossier a été mal ficelé. Oui, à tout moment, quand le juge se rend compte que l'enquête a été mal menée, euh, mal ficelée, et que ça ne peut pas conduire au cl... à la manifestation de la vérité ou alors à une condamnation, le juge d'instruction se dessaisit de l'affaire. Mais il l'empêche. Que sur les infractions, sur les autres infractions, ou alors des informations qu'on a pu tirer de cette scabreuse affaire, qu'il n'y ait pas de nouveaux procès, ou alors de nouvelles enquêtes et de nouvelles arrestations. Personne n'a dit qu'en ce moment, si c'est sûr que Bapou ne, ne va pas être arrêté une deuxième fois, ou alors l'amiral ne sera pas arrêté, parce qu'on veut savoir comment l'amiral a été au courant de Bapou. Oui. Nos compatriotes aussi de la diaspora comme nous j'aimerais ton raisonnement est très clair et même très cohérent voilà voilà les gens des voilà voilà des gens de, des facultés de droit qui disent que je sais très cohérent oui les amis les gens doivent savoir que quand on parle déjà du droit, il n'y a plus les émotions on parle du droit et donc j'étais en train de dire que maintenant nous allons mettre les émotions parce que lorsqu'on parle de la politique, on met maintenant les émotions. La politique, c'est les émotions, c'est-à-dire en fonction de ta sensibilité. Moi, j'ai dit que je ne soutiens plus Paul Biya. Pour une seule raison, je trouve qu'il n'est plus en capacité, ce n'est plus lui qui gère le pays. Il n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. C'est pour ça que je lui ai retiré mon soutien. Je dis que si Paul Biya avait été un homme qui aimait les Camerounais, oui, docteur, je ne vais pas citer votre nom maintenant. Vous êtes venu dans mon inbox, me dit que ce n'est pas normal que je le dise. Je vous ai dit que c'est mon avis, docteur. Je vous ai dit que c'était mon avis. Je dis que si Paul Biya avait aimé les Camerounais, il devait préparer sa succession lorsqu'il avait encore tous les moyens de le faire. Parce que malheureusement, Paul Biya, son attitude aujourd'hui est une attitude d'un homme irresponsable. Je le dis. C'est mon oncle, je le dis. Mon oncle est un homme irresponsable parce qu'il n'a pas. L'avenir des Camerounais ne l'intéresse pas. L'avenir des Camerounais n'intéresse pas Paul Biya. Il, aucun homme, laissons même qu'il a en charge l'État du Cameroun. Quand Dieu vous permet déjà de voir 80 ans et vous avez des enfants. Et vous, vous, avez des biens. Et vous décidez que non, je ne fais pas de testament. Je, je, je mange tout, je mange tous mes biens. Ou alors du moins, je mange et puis la quantité qui va rester, si je meurs, qu'il reste se battre là-bas, je m'en fous. Les amis, nous avons écoute, tous écouté ici des chroniques familiales. Des hautes personnalités. Nous restons dans le cadre privé. Avant d'arriver dans le cadre de l'État. Les amis, lorsque Dieu vous permet d'avoir, de voir vos 80 ans, et que vous avez des enfants, des mères différentes, de ceci, vous avez des biens, préparez la succession. Allez voir un hôtel. Ce n'est pas vous attirer la mort que de dire que non, je prépare déjà mon départ, parce que c'est la, la loi de la vie. Et croire que la mort n'existe pas, c'est être irresponsable. Maintenant, vous venez à écrire dans mon, 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 mon live qu'il oh, est mort. Attends, sa mort physique n'est pas plus importante que sa mort politique. Je vous ai dit que la mort fait partie de la vie. Qu'il meurt physiquement maintenant, mais il est mort politiquement depuis. Depuis pratiquement sept ans pour bien mort politiquement. Pour lui, il n'existe plus. Donc si maintenant, physiquement, il meurt, ce n'est que l'aspect physique. Et ce n'est pas plus intéressant pour nous. Quand tu fais, on fait qu'on a creusé le, le, le trou, on te met là-dedans. Mais ce qui nous fait le plus mal, nous qui avons été des fervents biaïstes, c'est la mort du biaïsme. Oui, parce que malheureusement, les idéaux qui étaient les fondements du biaïsme, la rigueur et la moralisation, l'assainissement de la vie publique, on ne peut pas dire, à l'image des derniers événements, de tous les événements qui se passent au Cameroun, que c'est encore du, le biaïsme. Ou alors, c'est ceux, ceux qui dirigent le Cameroun sont des biaïstes. Nous penchons sur le fait qu'il y ait un courant politique qui soit né qu'on appelle le chantalisme. Le chantalisme, je ne sais pas, le chantalisme, je pouvais m'arrêter là. Parce qu'on peut pas assauter quand même le nom de biais n'importe quoi. C'est le chantalisme qui est l'idéologie prééminente au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, l'idéologie de la jouissance. Tous sont des jouisseurs. On entend des histoires fantasmagoriques. Oh, telle personne, les policiers sont allés bagarrer avec les gens du bille parce que, non, tout le monde veut rentrer dans la distraction. Donc, nous disons que le, le biaïsme est mort. Le biaïsme est mort depuis longtemps. Et nous, c'est cette mort-là qui nous fait le plus mal. Sa mort physique ne nous intéresse pas. Puisque nous savons que c'est une évidence. Nous savons que c'est le chemin de tout le monde. C'est le vigourisme qui existe maintenant. Merci, Jimmy, euh, Jimmy Solange. Jimmy, Jimmy Solange. Nous sommes en plein dans le vigourisme au Cameroun. Hmm? L'idéologie de la jouissance. Vous voyez deux ministres qui se battent pour une affaire de chicha. On va, on va débattre de tout cela, les amis. Nous allons donner notre avis. Un avis éclairé. Hein? Je vous ai dit que, vraiment, quand nous on dit quelque chose ici, on ne sait pas. On a l'impression que... Vraiment, les tâches du Cameroun est branché sur notre page. Ben, ça ne va pas nous choquer, ça ne ça nous fait pas rougir. Les amis, la mort physique de Paul Bia ne me fait pas mal. Comme la mort de l'idéologie que mes grands-parents, que mes parents ont soutenue. Même nous-mêmes, quand ça a pris nos têtes, on a dit oui, ça nous a pris, mais on aime ça. On est, même on est sorti de prison, on a continué à soutenir. Parce que c'était le biaïsme, l'idée au-delà de l'homme. L'idée politique au-delà de l'homme. C'est cette idée que nous soutenions. Aujourd'hui, le biaïsme a, a disparu. Et ça nous fait mal. Dans les amis, vous venez de dire que non, pouvoir partager un voice. Moi, je ne sais pas son avocate, hein, vraiment. Dans lequel. Même l'amiral dit que Chantal Bia, c'est un problème. Quand je le dis ici, est-ce que c'est parce que je, veux, je vous laisse les papiers Je vous ai dit que Chantal Bia gâtait le Cameroun. Vous avez dit que, oh, malin, vous trouvez les papiers. Maintenant, on dit que c'est l'amiral qui dit que madame dérange. C'est parce que nous, on est sorciers. On a dit non. Boulou, qui est notre ancêtre, nous a demandé de venir parler. On a dit que ce n'est pas normal. Paul Bia épousait une jeune fille 7. Mais avec le temps, elle aurait pu prendre en maturité. Nous nous sommes plaints du fait qu'elle banalisait l'image du président de la République. Elle permettait au président de la République de s'afficher en toute complicité avec des grands fehmanes. Le gars qui est parti toucher sa tête là. Je ne sais pas comment vous l'appelez sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas où il gagne son argent, les amis. Mais ce ne sont pas des gens avec qui Paul Biado a vu une photo. En toute intimité, il prend cette photo-là, il peut afficher dans ses réseaux sociaux. Demain, vous allez entendre qu'on l'a arrêté comme on a arrêté Popi, le Nigérian, le SCAMA, là. Dans l'affaire de Bapou, on a entendu que les banquiers camerounais, les hautes autorités politiques camerounais protègent les Scamas. Les Scamas, vous, vous allez aussi me demander les Scamas, c'est quoi Les amis, c'est les gens qui volent les cartes de crédit qui font euh, non seulement au-delà des cas de crédit, parce que les cas de crédit pour eux, c'est encore petit, c'est des gens qui sont capables, vous avez entendu l'histoire où on avait piraté euh, les, le compte bancaire de la présidence de la République française. C'est-à-dire que ce sont les gars avec des coordonnées euh, informatiques qui sont capables de virer, d'enlever 500 millions dans le compte. De la banque Société Générale, peut-être dans la, le, le compte qui appartient par exemple à, à un État, et ils font détourner ça, ça atterrit au Cameroun. Manipulation seulement informatique. Et on dit qu'au Cameroun, ils ont déjà huilé tout le système pour que personne ne leur demande déjà un d'où ils prennent l'argent, et qu'on favorise même que lorsqu'ils prennent leur argent, même si on envoie le mandat d'arrêt, on les aide au Cameroun à changer leur identité, à changer tout. Donc, ils ont, ils ont noyé tout le système. Les gars sont là-bas, ils se baignent. Lui, et donc, dans l'affaire, il euh, y a des gens comme les Mbappé et autres qui s'enrichissent. Donc, c'est des gars qui ne peuvent jamais porter plainte contre Mbappé Parce qu'eux-mêmes, ce sont des voleurs volés. C'est des gens qui volent, les Français qui volent partout en Occident pour venir se cacher au Cameroun avec. Donc, les affaires des voleurs volés, nous, les citoyens camerounais, nous disons que ça ne nous intéresse pas. D'autant plus que toutes ces sommes, que ces gens volent. Mes amis, je vous ai présenté une vidéo d'une maternité dans le département, et seigneur, de Paul Bia. Regardez où... Des enfants qui vont se vanter demain. Je suis de la région du président de la République. Regardez là où ils naissent, les amis. Et ces gens même qu'on escouque là, aucun ne s'est encore lever pour dire que vraiment, Paul Bianou permet de, de devenir des milliardaires. Allons laisser les, les sacs de. Allons laisser les lits d'hôpitaux. Allons laisser. Non Les amis, laissons les bandits entre eux. Qui se tuent. Laissons les bandits entre eux. La seule chose que vous devez faire, les amis, c'est avoir la conscience, la conscience citoyenne. Ne baissez pas les bras, les amis. Ne, dites pas, ne, dites, ne, ne vous dites pas, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez prendre vos cartes électorales, les amis. Ne dites pas que c'est l'affaire des autres, ça ne nous concerne pas. Nous, on va aller fumer les chichas. Déjà que le ministre a déjà dit qu'on ne nous interdit plus de fumer les chichas. On s'en fout. Non, les amis. Vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir. Vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir des enfants de vos enfants. Parce qu'à l'heure actuelle, Paul lui a fait le tour du monde là. C'est pour prendre les crédits. Parce que l'État est en faillite, même payer les fonctionnaires. On vous a dit aujourd'hui que sans prévenir personne, Motazé a divisé les salaires des enseignants. On m'a envoyé la fiche de salaire d'un enseignant. Un enseignant qui a 5 beaux enfants gagne 50 euros. Même pas le prix d'une passe. C'est-à-dire quand une, une prostituée fait la pipe en France, c'est au moins 60 000. Une seule pipe. Hein. Parce que vous aimez quand je vous parle avec les mots du Japon. Comme ça, ça vous pénètre bien. C'est-à-dire que la personne qui doit mettre le savoir, la connaissance, Transmettre la dignité. Parce que, au-delà de l'instruction, l'enseignant est le premier qui transmet, en dehors des parents, la dignité à un citoyen. Et on vous dit que les, ceux qui sont chargés de transmettre la dignité, parce que quelqu'un qui n'est pas instruit vraiment. Celui qui est chargé de transmettre la dignité à vos, à vos enfants, à vos descendants, lui, il ne gagne pas l'équivalent d'une pipe. Il ne gagne pas l'équivalent d'un champagne au fémus. Et vous êtes là, vous poursuivez Bapu. Bapu a volé les voleurs. Le problème est où Vous poursuivez Bapu Non. Vous devez poursuivre ceux qui ont confisqué votre pays, les amis. C'est indigne. Je dis que c'est indigne. Je vous ai dit, les amis, que dans un régime comme celui de Paul Biya, Paul Biya n'a pas peur que le nombre de pauvres qui ont faim se multiplient. La seule chose qui fait peur à Paul Biya, c'est les pauvres comme les pauvres qui réfléchissent. Qui est plus de pauvres instruits? Oui, parce que si les pauvres instruits étaient les plus nombreux quand on savez que Biya ne peut même pas se lever et qu'il est candidat. Il va être candidat de quoi? Sous ses 42 ans, L'école camerounaise s'est dégradée. Les ceux qui ont été scolarisés au temps d'Aïdjo. Quelqu'un avait le BPC, tu croyais qu'il avait la licence. La plupart de vos inspecteurs pédagogiques aujourd'hui, c'est des gars qui sont entrés enseignants avec le BPC. Les amis. À l'époque d'Aïdjo. Quand tu rencontrais quelqu'un, qui te disait, j'ai le BPC. Parce qu'à l'époque, même à l'époque, tu voyais les classes de troisième, c'était les messieurs même qui étaient à marier. Les gens n'avaient pas 11, on les appelait sur les tomes 8, c'est-à-dire qu'elle a fait le bac, le BPC. Non, être bachelier au Cameroun, à l'époque, on savait que tu seras quelqu'un. Le BPC, c'était le BPC. Et aujourd'hui, ce sont eux-là qui sont assis dans les administrations, parce que malheureusement, ce sont eux qui ont eu la vraie connaissance. Aïdjo n'était pas là à l'école. Mais Aïdjo savait qu'on ne peut pas bâtir un pays avec des, avec les troubadous. Aïdjo finançait pour que l'école camerounaise soit au niveau des standards internationaux. Quand un camerounais sortait des écoles ou des universités camerounaises à l'époque, à l'époque, non, il venait ici battre les Français. Parce que, le système français, le premier système français qu'on a amené au Cameroun. Non, les gars camerounais étaient calés. Mais aujourd'hui, <laughs> vraiment de Dieu. Non seulement, on, a, on, a, on a, une, a, a, a une décrépitude des valeurs morales. Je vous ai dit que les enfants camerounais aujourd'hui n'ont pas peur de filmer les papas en caleçon et mettre sur Facebook. Au-delà de cette décrépitude. C'est-à-dire que le niveau d'instruction des camerounais. A, non, a disparu. Pour ne pas dire que ça a baissé. C'est pour ça que vous voyez les idiots se mettre sur Internet. Oh, telle personne n'a pas tel diplôme. Parce que oui, pour eux, un certain niveau intellectuel aujourd'hui est inaccessible. C'est inaccessible. Quelqu'un te dit, j'ai la licence. Tu lui dis, ok, où est le raisonnement Le gars est vide comme la vidange. Le gars est vide comme la vidange. S'il ne récite pas des choses, parce qu'il a fait les mathématiques, s'il ne récite pas les choses, il ne peut pas te tenir une analyse soutenue et structurée. Parce que la consistance intellectuelle n'est pas là. Oui, c'est l'école que Bia, en 42 ans, a donnée aux Camerounais. Mais je vais vous dire que c'est une stratégie politique, les amis. Quand quelqu'un veut durer au pouvoir, il faut fabriquer le, ma le plus d'idiots. C'est-à-dire que, quand vous voyez tout ce que les Camerounais adorent aujourd'hui, non, tu les vois, il n'y a pas le débat intellectuel sur... Non, non, il n'y a pas le débat. Leurs problème, ils sont en train de faire le challenge, le bâton de manioc. On dit que oui, c'est la promotion du bâton de manioc. Le Cameroun, aujourd'hui, dans le Conseil des Nations, en termes de proposition, en termes de participation, c'est de, de valoriser le bâton de Manioc. Nous ne disons pas non. Nous disons que le burlesque a sa place aussi dans l'art. Nous le disons. Le burlesque fait partie de l'art. Mais nous disons que ça ne peut pas être l'essentiel. Ça ne peut pas être l'essentiel. La jeunesse camerounaise aujourd'hui a du mal à comprendre les enjeux. Ils s'en foutent. C'est-à-dire, ils, 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 ils ne font même pas esprit les pauvres. Parce que je, des fois, j'essaie de prendre certains ici en direct. Tu sais que celui-là, il veut bien, mais le niveau, il n'arrive pas. Il n'arrive même pas à se lever au-dessus de ses passions. J'ai pris un ici dernièrement. On était dans un débat fortement intéressant. Lui, son point, c'est savoir est-ce qu'il y a la parenté entre la cousine de Chantal. C'est-à-dire que pour lui, il reste au niveau très basique. Il ne fait pas exprès, les amis. Il ne fait pas exprès. Et donc, oui, malheureusement, on a multiplié des gens qui sont dotés seulement d'un instinct grégaire. Oui, c'est l'instinct grégaire aujourd'hui. Quand il y aura campagne là, les gars, on va mettre les. Parce que toutes les musiques qui sortent là maintenant, c est, c est, ils vont aller animer les meetings de campagne. Il n'y aura aucun discours. Intellectuels, politique. On va prendre Mimbomi Manibé. On va prendre Manibe. Là, il va venir chanter Dagobert. Les gens vont boire, ils vont fumer la chicha. Après, ils iront voter. Puisqu'on va les emparquer même dans les bus. Ils vont aller dans les bureaux de vote et étant sourds. On va seulement leur remettre le bulletin qu'ils doivent aller mettre dans l'une. Parce qu'à ce moment-là, ils sont te donne même encore. On ne dit même pas prendre d'autres bulletins. On te remet déjà le bulletin parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les, dans les petites régions là-bas. C'est qu'on vous remettre directement l'enveloppe fermée. Avec 5 millions, tu vas mettre. Et on va encore venir s'asseoir, on va se regarder sur Facebook, faire les classes. Les amis, vous ne pouvez pas tout remettre tout entre les mains de Dieu. À un moment donné, le monde entier regarde la jeunesse camerounaise. Le monde entier veut voir ce que les jeunes vont faire en 2025. Mes chers amis, l'Afrique va vous regarder en 2025. Pendant que vous faites le challenge là, rentrez à la maison. Pendant que vous faites vos, vos histoires là, toute l'Afrique vous regarde. Vous avez perdu votre prestige. Avant, les jeunes Camerounais, lorsqu'on rencontrait des Camerounais quelque part, non. Les Camerounais étaient respectés partout en Afrique. Aujourd'hui, à peine s'ils sont même encore des hommes. À peine si un Camerounais peut encore prendre une Camerounaise à amener dans une chambre. On dit que vous, tout ça, vous êtes devenus des femmes là-bas. On dit que c'est ça qui donne l'argent. Les hommes sont devenus des femmes. Pourquoi Parce que c'est la luxure. L'esprit du vigourisme, c'est-à-dire que l'esprit qu'on a utilisé, le vigourisme, la jouissance, chacun veut jouir par tous les trous, les amis. Même les hommes veulent goûter par tous les trous. Je jouis, je meurs. Tel est le leitmotiv aujourd'hui du Cameroun. Jouis, jouis et mourir. Oui, parce que malheureusement... À la tête de l'État, il y a un homme aujourd'hui qui est devenu irresponsable. Je vous disais les amis que si vous avez votre père, il a 85 ans, 90 ans, il ne fait pas le testament, c'est parce qu'il sait qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Parce qu'à partir de 85 ans, parce que même dans la Bible, on dit que les plus vieux parmi nous, dans le son 90, on dit que les plus vieux parmi nous vivent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire qu'à 70 ans, 7. Dès que tu atteignes déjà le chiffre 7. Non, c'est là, tu, tu, tu as tout fait. À 70 ans, tu dois déjà avoir vécu ta vie et à partir de ce moment-là, tu prépares ta mort. Mais vous voyez quelqu'un, il est là. Comme s'il n'est pas là. Il a 91 ans. Et on dit qu'il est parti commander les t-shirts pour sa campagne. Quand il aura 92 ans, vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui est responsable. Mais je vous ai dit que les, les, sur le plan du droit, dans les pays où on protège les vieux, à 85 ans, on met quelqu'un sous tutelle. Et je vous ai expliqué que, heureusement, que M. Franck Emmanuel Billard a laissé toutes ses affaires aujourd'hui pour servir de tuteur à son père. Parce que malheureusement, c'est la période où un vieillard peut être victime du dol. Oui, on peut considérer qu'il y a le dol en ce qui concerne une personne majeure, mais qui a déjà... Non, dont les facultés mentales sont affaiblies. Pour bien aujourd'hui, je vous ai dit que quand quelqu'un vieillit, la vie est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez déjà le 90, vous revenez comme un enfant de 10 ans. Parce que je vous ai dit que L'homme mature, ça s'arrête à 70 ans. À plus de 70 ans, tu repars maintenant dans l'enfance. C'est écrit dans la Bible. Allez lire le Somme 90. Là, on dit que les plus robustes parmi nous vivent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire que dans la Bible, on sait que à 70 ans, tu es déjà très vieux. Tu es déjà de là, à la porte de la mort. Tu atteins le chiffre 7. Donc, à l'heure actuelle, là. Vous avez vu quand Chantal Bia veut demander à Paul Bia de, de, de souffler la bougie. Elle dit souffle. Elle lui parle comme un bébé, comme à l'école primaire. Souffle, souffle. Bravo, bravo. Comment faire un bébé Donc imaginez-vous qu'on vient lui présenter des dossiers qui nécessitent un recul. Qu'est-ce qu'on lui explique Que le contre-amiral Fouda a acheté les joujoux. Il veut faire tout au Cameroun. <laughs> Vous lui expliquez ça comment? Vous lui expliquez ça comment? Les amis. Vous avez entendu l'amiral? Ou c'est la voix de l'amiral? Parce que c'est la voix de l'amiral, hein. Mais aujourd'hui, vraiment, avec l'intelligence artificielle, on peut reprendre les voix des gens. Mais qui a même déjà entendu la voix de l'amiral jusqu'à aller reprendre ça avec l'IA Parce que ceux qui connaissent l'amiral disent que c'est la voix de l'amiral dans l'audio de Bapo. Mais qui a déjà entendu la voix de l'amiral du contre-amiral Il faut pas que non, le contre-amiral, le général. Qui a déjà entendu la voix de la, du général Jusqu'à les faire reproduire sa palie à. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais accordé une interview. Donc, cette affaire est compliquée. C'est compliqué. Mais on dit que la voix qui imite la voix de l'amiral. Parce que voilà encore un nouveau problème. Il y a une voix qui imite. Il y a quelqu'un qui, qui sait bien parler comme l'amiral. L'amiral dit que madame Bia, c'est un problème au Cameroun. Même Bapou dit que oui, c'est vrai. Pour la voix de bapou on peut pas dire que c'est la... ouais c'est mon ami qui parlait dans le non, c'est mon ami on ouais, a parlé au téléphone je l'ai vu face à face C'est sa voix dans le voice là bapou tu peux pas dire que c'est pas ta voix c'est ta voix <laughs> c'est ta voix tu es venu m'engueuler ici là tu as voulu me clasher que oh malène a parlé de chantal mais dans le dans le dans le dans, dans le voice là <laughs> tu as vous êtes en train de dire que chantal bien dérange oui, c'est vrai que vous avez dit ça en privé, mais ça se retrouve en public. Donc, vous n'êtes pas différent de moi. Vous dites que Chantal Biya au Cameroun, elle dérange. Oui, parce qu'il fallait qu'on crie sur elle. Je vois son attitude depuis qu'on l'a insultée ici. Elle laisse déjà le président devant. Elle respecte le, 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 le protocole d'État. Parce que nous avons. Non, on a tiré ses oreilles. On a dit que les Camerounais, elle, elle n'est rien dans l'appareil de l'État. On ne la connaît même pas. On ne veut même pas la connaître. On la tolère encore aujourd'hui parce qu'on suppose que oui, le président est physiquement affaibli. Et, et ce ne serait pas bien qu'on voit une autre personne que son épouse à côté de lui, parce qu'il peut tomber partout à tout moment. Donc, avec l'épouse, ça fait un soutien euh, glamour. Parce que lui, nous acceptons qu'elle soit encore partout. C'est-à-dire qu'une photo où il n'y a que les chefs d'État, on voit Chantal Biya. Elle est chef de quel état? Est-ce que les chefs d'État qui sont là n'ont pas d'épouse? On dit que c'est la photo des chefs d'État. Chantal là, nous tolérons encore ça. Pourquoi? Parce que, par humanisme. On dit que non. Le président est fragile. Il peut avoir envie d'un besoin puissant là. Ce serait vraiment gênant que ce soit plutôt à Macron qui dise que j'ai envie de faire pipi. Est-ce que je peux faire pipi ici? Non. Donc c'est mieux qu'il parle. Je veux faire pipi. C'est sa femme qui est à côté. Donc c'est la raison pour laquelle on, on, on nous supposons que vraiment euh, c'est tolérable. Mais Chantal Bia n'a rien à voir sur une photo où il n'y a que les chefs d'État. Elle n'est pas chef d'un État. Je vous ai dit, d'après la constitution camerounaise, Chantal Bia est une citoyenne lambda. Elle n'a même aucune immunité. C'est pour ça que vous avez vu dernièrement, dès que ce qui s'est passé au Gabon, les gens ont seulement pris. Sylvian Bongo, sans même vérifier quoi que ce soit, on a seulement enfermé. Parce qu'une première dame, ça n'apparaît nulle part dans la nomenclature de l'État du Cameroun. C'est la vie privée du président. On n'a même pas besoin. C'est un président qui connaît la femme de Poutine. Donc vous voulez dire qu'il ne doit pas avec les femmes ou avec les hommes. Qui a déjà vu, qui connaît la vie intime de Poutine, qui sait si Poutine a un enfant, qui connaît sa vie. Parce que lui, il fait la différence. Sa vie privée, c'est sa vie privée. On ne veut même pas savoir qui est la première dame de Russie. Vous connaissez la première dame de Russie C'est des, oui, c'est des trucs, euh, oui. Parce qu'on disait que non, il faut un côté glamour à l'homme d'État, mais en Russie, les gens n'ont pas besoin du côté glamour. C'est la rudesse de la politique. Ils ont fait confiance à un homme. Ils ne veulent pas savoir s'il doit avoir les chiens, s'il doit avoir les êtres humains. Ils n'ont pas besoin de savoir. Parce que c'est lui qui est responsable devant le peuple. Dans les amis, j'étais en train de vous dire que dans l'audio la, de Bapoula, on entend la voix du général qui dit que Chantal Bia dérange et fait le désordre. Là, on entend le général dire dans le général, c'est-à-dire que c'est lui qui conseille Paul Bia. Il, dit Il lui donne les conseils, mais Paul Bia n'écoute pas. Il n'est même pas tenu d'écouter. Quelqu'un qui n'est pas tenu d'écouter tes conseils, ça sert donc à quoi d'avoir un conseil Ou c'est seulement pour gaspiller le budget de l'État Il y a des pays où le gouvernement est réduit pour faire des économies, pour permettre aux enfants d'avoir des, des, des bancs dans des salles de classe, pour permettre aux enseignants d'être mieux payés. L'État diminue son train de vie. Tous ces postes inutiles. Voilà tout un fonctionnaire où on, on le, il, 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 il dit qu'il puise dans le budget de l'État, mais lui-même il dit que son poste ne sert à rien. Il dit que son poste là, ça ne sert à rien, parce que le président n'est même pas obligé. Or, lorsqu'une personne constitue dans son cabinet des conseillers, ça veut dire que leur avis est pertinent parce que c'est eux les techniciens de chaque question qui est présentée devant le président. Et le président est tenu, de, avant de prendre une décision, de suivre quand même les orientations de ses conseillers. On a entendu vraiment des choses suffisamment graves dans cet audio-là. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est Dieu qui protège le Cameroun parce que chacun peut faire de cette interprétation ce que. Après, que ce soit vrai, que ce soit la voix de l'amiral ou non. Mais ça ouvre un pan à beaucoup d'interprétations. Parce que moi, je dis que c'est la voix de Bapou. Donc, on a laissé Bapou dans l'affaire de l'escroquerie. Mais les services de, de renseignement doivent exploiter Bapou pour savoir, Bapou, tu parlais avec qui dans ton téléphone? Parce que c'est facile d'établir la conversation. Bapou, c'est sa voix. Maintenant, toi, Bapou, tu parlais avec qui? Voilà donc le problème parce que il n'y a pas un citoyen camerounais qui a le droit de comploter contre l'État. Que ce soit l'amiral ou non. Non, on veut savoir qui a le droit de comploter contre l'État parce qu'on dit que le colonel, tel attend tellement tes ordres. Les ordres pour faire quoi Le colonel a dit que non, il avait vous, il attend seulement que vous lui fassiez signe. C'est par rapport à quoi Le colonel qui dit qu'il est là, il a dit qu'il il avait vous, il attend seulement le jour qu'on lui donne le signal. Le signal pour faire quoi Bah pour. Vous n'avez pas. Il n'y aura jamais un militaire à la tête du Cameroun. Vous voulez faire quoi? Ce sont les, On s'est battu pour la démocratie. Les Oumniombé ne sont pas morts pour rien. Hein? Puisque la personne qui parle avait bas pour faire des suggestions oui, tu sais qu'on attend voir, hein, parce que tu as vu ce qui s'est passé à côté. À côté, c'est où? C'est au Gabon. Nous sommes intelligents quand même. Nous sommes quand même intelligents. Nous, on ne boit pas, on n'est pas lesbiennes. On, non, nous, on, on, nos cerveaux sont intacts. Il n'y a pas les pêtes blanches dedans. On réfléchit. Ce qui s'est passé à côté, c'est quoi? C'est Olinguema. Qui s'est levé un matin, il a dit à Bongo que assois toi ici, c'est fini. Il n'y a pas eu effusion de, 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 de sang, il n'y a eu, rien eu. Donc lorsque la personne qui parle avait la voix de l'amiral dit Tu sais qu'on a vu on, ce qui s'est passé à côté, c'est du Gabon. Parce que oui, malheureusement, c'est à l'armée que l'État du Cameroun à donner autorité, à préserver les institutions, lorsqu'on a l'impression que la personne à qui les Camerounais ont confié la mission de les diriger ne fait plus bien son travail, ou alors, non, l'armée a le droit de le mettre de côté. C'est pour ça que la voix qui ressemble à la voix de l'amiral a dit que on attend. Parce que si les Camerounais ont voté pour le bia mais c'est quelqu'un d'autre qui dirige le cameroun qui a déjà pris en otage les institutions qui est devenu le président alors que les camerounais ne lui ont jamais donné le mandat. oui, l'armée doit intervenir. l'armée doit intervenir parce qu'il y a des gens qui ont volé le pouvoir du peuple. on a confié le, peuple, le, le, le pouvoir à un individu. si l'individu devient physiquement, intellectuellement, absent, incompétent, la Constitution du Cameroun a prévu des dispositions, à savoir la, la, euh, la déclaration de la vacance du pouvoir. Mais qui déclare la vacance du pouvoir Voilà la question. Est-ce que depuis que nous ne faisons que crier que le président ne peut plus conduire le mandat Est-ce que quelqu'un demande au président de demander à des médecins d'évaluer, de l'évaluer sur le plan physique et intellectuel pour dire s'il est en capacité de conduire un mandat politique mais comme nous ne sommes pas dans une démocratie avancée, oui, malheureusement, il y a des gens qui vont, euh, qui jouent avec ça. On s'en fout des Camerounais. Et eux, ils gèrent. Et le problème, c'était que si c'était même une, une seule personne à qui Paul Biya a donné, quand il, était, il avait encore conscience, la signature que, pardon, l'affaire de président de la République, si c'est beaucoup de travail. J'ai pour moi, j'ai avec moi, ou j'ai pour moi. La personne à qui il a donné une partie de son pouvoir, c'est Ngongo. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe au Cameroun, même Gongo, on ne voit plus le carreau. C'est chaque ministre qui, ça dit que c'est un Capharnaüm, mais comme pas possible. Vous avez déjà vu ça dans quel pays Un ministre qui écrit à un autre ministre et publie sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, je vous interdis. Je, dit à là, je ne sais pas, je ne sais pas la fête du Cameroun, là. Mais est-ce qu'on a même besoin de savoir quand on nous dit que les gens achètent seulement les postes? Attends, parfois, je me demande que, mais attends, monsieur, C'est vrai que c'est un ministre qui est compétent. Mais ce n'est pas un politicien. Le ministre, à on ne s'adresse pas à son collègue de cette façon. Surtout que tu n'es pas ministre d'État. Mais ministre d'État, là. Non. On se refait au Premier ministre. C'est-à-dire que lorsque on pense qu'on a besoin d'un arbitrage dans l'action gouvernementale, lorsqu'on connaît la politique, on ne prend pas une lettre, on écrit à son collègue que je ne veux plus voir tes gens. Non, on ne fait pas ça. On sollicite l'arbitrage du Premier ministre. Vous vous retrouvez à deux. On écrit est, est au Premier ministre qu'on écrit. Le Premier ministre maintenant fait l'habitude au président de la République. Normalement, c'est le premier ministre qui doit donner des orientations sur les politiques qui sont, qui sont, sont, sont appliquées au Cameroun. Il est là pour conduire la, la politique d'un gouvernement, pour donner des orientations au gouvernement. Je ne sais pas à quelle école vous avez faite. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si vous avez. Je ne sais pas. Hein. Parce que quand je vois des femmes... Comme les Ketchakou, tes c'est le BTS en comptabilité, les ministres de, du gouvernement, les ministres de l'État du Cameroun. Je sais même pas quel est le parcours académique de, à Tanganyi. Je sais pas, hein. Attends, est-ce qu'on écrit en, dans. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est un anglophone, mais c'est un francophone qui a écrit la correspondance. Est-ce qu'on utilise ce temps Est-ce qu'on utilise... Ce temps pour s'adresser à son collègue ministre. Et vous voulez pas que nous, comme ça, on vienne s'asseoir pour insulter tout le monde Pourquoi Parce que on dit que le, le manque de respect commence à partir du haut. Je vous avais déjà dit. Donc je vous ordonne. Je veux. Plus, mais vous parlez à qui Vous êtes investi du même pouvoir. Il n'y a pas le, la seule personne qui est responsable de vous tout ça, c'est le Premier ministre. Mais comment vous avez dit que le premier ministre, c'est un anglophone, il ne rien, c'est juste pour couvrir. Vous le méprisez là-bas. Vous le méprisez. À la limite, c'est un beaucoup vous respectez parce que Bia a quand même qu'il est ministre d'État. Et non seulement ça, au-delà de ça, l'homme est un homme de caractère. C'est un homme de caractère. Et quand vous avez affaire à un homme de caractère, vous, vous êtes obligé de le respecter. Mais en principe, c'est le Premier ministre. La lettre devait être envoyée. La remarque ou les suggestions ou les propositions devaient être envoyées au Premier ministre qui allait organiser l'arbitrage. Vous offrez quel spectacle au Camerounais À moins d'un an d'une élection. Mais on ne sait pas, hein euh, 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 le, le, ministre, le ministre de la Santé pose un problème de santé publique. C'est de son devoir. Et il estime que dans la lutte contre... Parce qu'il faut qu'on vous explique l'affaire des chichas là. La chicha c'est quoi les amis La chicha c'est le tabac du tabac, mais beaucoup plus dangereux que... Le, parce que quand vous fumez la chicha, c'est comme si vous avez fumé 52 cigarettes. Et c'est plus dangereux. Et c'est-à-dire que euh, les substances qu'on trouve, du plomb, euh, euh, on trouve le plomb dans la chicha. C'est-à-dire que des matériaux tellement lourds qui provoquent euh, beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup plus que la cigarette, sont dans cette affaire de chicha. Et donc, le ministre voit que ça devient, il devient une, une activité non réglementée qui a pignon sur rue, rue au Cameroun. Donc, oui. Dans le cadre des mesures de la prévention de la, de la santé publique, il est en droit de dire que j'ai j'interdis telle chose. Lorsque le ministre des Forêts décide que on ne doit plus vendre le pangolin et que les, les, les gens de, 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 des eaux et forêts arrêtent toutes les voitures qui ont les pangolins. Est-ce qu'on demande l'avis du sous-préfet? Vous voulez même nous apprendre quoi, même là-bas au Cameroun Moi, je ne connais pas Manaouda. Hein. Je ne pas dire qu'elle oh, est venue défendre Manaouda. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je vous dis que vous avez affaire à quelqu'un qui est, qui est docteur. Donc il connaît l'administration. Lorsqu'il prend une démarche, il sait comment. Il sait l'administration. Un service en France comme le ministère de la Santé a des unités répressives. Lorsque vous ouvrez votre restaurant en France, il y a un service qui dépend du ministère de la santé, qui vient, vient contrôler si vos toilettes sont propres, vient contrôler là où on fait à manger. Et eux là, ils ne demandent rien au préfet de loi Atlantique. Parce que, ils sont aussi en charge d'une mission de police, administrative. Oui, si au cours de leur intervention, il y a des heures, comme tous les citoyens, comme tous les, les, les administrations, ils ont le droit de faire, affaire, de faire appel aux forces de, 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 de police. Sans avoir besoin de faire recours au sous-préfet. Si quelqu'un passe chez un médecin, il se met à taper le médecin. Donc pourquoi le médecin appelle le commissaire Le médecin doit avoir appeler le sous-préfet. Ça se fait où comme ça Mais on vous dit que normalement, dans un ministère de la santé, il y a une unité de répression. C'est eux qui contrôlent les faux médicaments. Il, eux, ils ont, il y a une unité de répression et dans, au cours de leur descente peuvent solliciter auprès du commissaire de police un accompagnement. C'est l'administration. Et donc comme notre super ministre ne comprend pas tout ça, il ne comprend pas tout ça. C'est très au-dessus de sa... Astuce. Très au-dessus de sa, sa, sa compréhension, il écrit à son collègue comme s'il écrivait à son enfant. Est-ce qu'il y a l'âge dans l'affaire là Il est ministre au tant dit. Et il est ministre d'un ministère régalien. Aussi régalien que le ministère de l'administration territoriale. Vous voulez tuer tous les Camerounais comment Si Manaoud a dit que la chicha, c'est parce qu'il y a des études scientifiques de l'OMS qui, qui ont établi. Que mieux tu fumes la cigarette. Mais la chicha, c'est 50 fois plus dangereux. Mais malheureusement, on connaît comment ça fonctionne au pays, les amis. Lorsque quelqu'un ouvre un bar pour faire la chicha, il sait qu'il doit aller laisser l'enveloppe chez le sous-préfet. Donc, dès qu'il a déjà donné l'enveloppe, tuez-vous. Comme je vous ai dit tantôt, là. Buvez les boissons frélatées. Tous les jours, au Cameroun, on dit qu'on empoisonne, on empoisonne. Oh c'est des boissons frélatées, parce qu'on interdit au service spécialisé du ministère de la Santé publique de vérifier ce que les Camerounais doivent mettre dans leur bouche, dans les débits de boissons. On dit qu'il oh, il est parti dans un bar, il a bu le, il a bu le poison. Non! Les amis, lorsque le ministère de la Santé dans ce pays a la responsabilité de contrôler tout ce que les Camerounais consomment, dans l'espace public. Attends, je ne sais pas que le ministère de la Santé publique doit contrôler les marchés. Ce, est venu chasser toutes les femmes qui vendaient les tomates par terre. Oui, parce que malheureusement, la tomate est un fruit que lorsque vous le mettez en contact avec les eaux usées, c'est comme ça qu'il y a la propagation du choléra, de la dysenterie. Donc, en principe, mais on comprend aujourd'hui au Cameroun que quand tu veux bien faire ton travail, il y a toujours un sorcier qui sort quelque part pour se faire voir. Et te dis, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ton travail. Le ministère de la Santé est un ministère qui englobe trop de choses qu'on devrait le retrouver partout. Même dans les lycées, il devrait avoir le bureau d'un représentant du ministère de la Santé. C'est que c'est des gros ministères que les gens ne se rendent même pas compte de l'importance. C'est-à-dire que... Il y a trois ministères clés au Cameroun. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère de la Défense. Ce sont les trois ministères régaliens au Cameroun. Oui. Les préfets ici en France, l'administration, euh, euh, le préfet de la défense. Si tu n'as pas ton problème de papier, si tu n'as pas ton problème de ta carte d'identité, est-ce que tu sais même à quoi sert le sous-préfet dans les villes de France, les amis? Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Si quelqu'un ne peut pas faire les papiers ou demander une autorisation pour sa, son association ou alors demander une autorisation pour manifester, est-ce qu'on a affaire au ministre de, 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 de l'Intérieur en France? Mais le ministre de la Santé, les amis, en France d'abord, à l'école, dès que les enfants entrent à l'école maternelle, il y a une consultation qui est obligatoire, une, une consultation du ministère de la Santé qui est obligatoire. Pour tous les enfants, on envoie dans les écoles. Il y a le bureau à l'infirmerie. Tous les lycées ont les infirmeries. Donc à partir de l'école, le ministère de la Santé est dans la vie des, des Français partout dans l'espace public. Mais au Cameroun, on voit carrément un ministre de l'Intérieur qui écrit au ministre de la Santé que je ne veux plus voir les gens là-dehors. Or, oh, il ignore que à l'intérieur du ministère de la Santé, il y a des... des, 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 des. Par exemple, on, on vous dit ici en France que... Il y a tout un service en charge de contrôler la qualité du médicament. Ça veut dire que s'ils descendent dans ta pharmacie, ils trouvent un médicament pour IB, ils demandent la science de la fermeture. Ils n'appellent pas le préfet de loire à que viens un peu voir où il y a une pharmacienne qui vend le cure. Non. Le tramadol, non. Ils ferment là sur le champ. Que dire alors des gens de l'URSAF qui travaillent pour le ministère de l'Emploi Eux, ils sont comme des gendarmes. Pour traquer des gens qui travaillent illégalement? Est-ce qu'ils ont besoin du préfet de loi Atlantique pour dire que nous allons descendre dans telle entreprise pour vérifier si tout ceux qui travaillent dans les entreprises dans les papiers? Vous montrez un très mauvais. Et c'est ça qui nous conforte dans l'idée que non, le président a perdu la main. Et c'est la raison pour laquelle nous lui disons de ne plus se représenter, parce que ça devient la honte. Ça va être la honte de tous les boulots. Les boulous sont des hommes sérieux. Le président a perdu la main. Mais non, on a affaire à des fanfarons, à des histoires à la con. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il y a quand même un respect. Il y a quand même une, le fait de préserver la, la cohésion gouvernementale. Et ça se retrouve sur les réseaux sociaux, comme par hasard. On dit que le ministre de l'administration c'est lui qui donne maintenant les, les instructions. Tout le monde a les instructions là-bas. Il donne des instructions à son collègue. des instructions, comme s'il si parlait à son subalterne, je ne sais pas sur la base de quoi. C'est parce que le pauvre, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il fait à l'administration territoriale. Non, l'administration territoriale a ses, a ses prérogatives, mais le ministère de la, de la Santé a ses prérogatives aussi, qui peuvent aller de la prévention à la répression. Pour, à la répression De la prévention à la répression Donc voilà, en ce qui concerne euh, euh, ce problème-là, je dis, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut développer, qu on, qu on, euh, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire. Mais les amis, je vous ai dit, c'est vous qui êtes responsable de votre destin. Nous, on a déjà réussi à, à, à fuir le pays. Mais en 2025, là, le destin du pays est entre vous. Nous, on va faire ce qu'on peut ici à notre niveau. Allez voter aussi. Mais soyez plus nombreux à prendre vos responsabilités, les amis. Allez vous inscrire, je crois qu'ils vont encore.. Inscrire. Allez vous inscrire massivement sur les listes. Allez vous inscrire, ne veut pas dire que vous avez voté contre Paul Biya, non. C'est simplement que il faudrait que votre choix de 2025 soit un choix raisonné. Nous sommes la génération 82. Nous sommes aujourd'hui des vieux. Moi, je suis né en 82, je suis vieille, j'ai déjà les cheveux blancs. Si ma fille a accouché à l'âge où moi je l'ai eu, c'est que je suis grand-mère depuis. On dit que non, l'arrière-grand-père n'a plus de vision politique pour nous. Nous sommes déjà des vieux. On est né quand Paul Bia est arrivé au pouvoir, les cheveux blancs. On a même déjà fui le pays. Il est toujours là. On dit non. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais on dit que mourir au pouvoir ne peut pas être un projet politique. Quelqu'un peut pas prendre le pouvoir parce que lui, son ambition, c'est de mourir étant au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Il y a même des gens, ce n'est pas parce qu'on dit que tu vas mourir qu'on te souhaite la mort. Non, on dit simplement que c'est la logique de la vie. À plus de 70 ans, l'être humain doit être préparé tous les jours. C'est pour ça qu'il prépare son destin. Il prépare son départ. Il fait des testaments. Il organise tout. Mais vous avez un père qui vous laisse comme ça. Voilà les enfants qui commencent à se battre. Telle personne tisse, tel autre comme ça. Vous voyez que ces gars-là sont des gars sérieux. Les ministres que Paul Biav nous laisser avec là, vous voyez que ces gars sérieux ne sont pas des gars sérieux. Imaginez-vous si l'ordre établi aujourd'hui, on dit que Paul Biya n'est plus là. Attends quand il va faire sortir les gardiens de prison qu'allons tirer sur le, 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 le ministre de la Santé. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Des éléments de police. Les gens, les, les gens au Cameroun n'ont plus peur de prendre la main et de poser sur des hommes en tenue. On voit un homme en tenue qui se bagarre avec un civil dans un lieu public. Lors d'une descente pour un travail, c'est-à-dire personne ne respecte plus l'autorité de l'État. Parce que oui, ceux qui sont investis de cette autorité-là ont banalisé l'État. On dit que non, parce que le bas appartient à la femme de tel. Non, la femme de tel n'a pas une certaine immunité au Cameroun. La femme d'un tel qui a le bas n'a pas une immunité au Cameroun. Il faut respecter la loi. La loi dit que actuellement tous ces, toutes ces personnes qui se retrouvent avec des maladies inexplicables, vous voyez quelqu'un, on dit que le sarate a gonflé, on, on dit seulement que c'est le poison qu'il a absorbé dans un bar. Non, personne ne contrôle la qualité des boissons, des cigarettes, des chichas, de tout ce qu'on met dans les chichas là, les amis. C'est ça qui crée ce que vous dites qu'on vous empoisonne. Ce C'est pas le poison. Ce n'est pas le poison. On vous vend du poison. C'est-à-dire que à partir des importations et envoyez les envoyez voilà que ils nous signalent. Donc je vous disais que ces hommes d'affaires qui partent donner l'argent à Bapoula. Vous savez pourquoi ils donnent l'argent Parce que normalement il y a des règles des, euh, des normes établies par l'organisme en charge de vérifier les normes au Cameroun qu'on appelle la norme et même aussi en Europe. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit vendu en France, ça doit respecter ce qu'on appelle les normes CE. Au Cameroun aussi, il y a ce qu'on appelle les normes. Alors, qu'est-ce que les hommes d'affaires font Par exemple, on décide en France de renvoyer tous les blédilacs. Peut-être euh, 10 000 tonnes de, de, de blédilacs pour enfants parce que... Euh, Lorsqu'on a vérifié, lorsque l'organisme en charge de vérifier les produits alimentaires des enfants a détecté qu'il y avait euh, un produit qu'on a mis dans le lait des bébés qui cause des coliques et tu, qui, qui peut-être finit, qui tue les enfants, on dit qu'on va retirer le produit dans le marché. Vous savez ce que les hommes d'affaires font Ils viennent voir la société Bledina. Ils disent à Bledina que... Tu sais que, au Cameroun, moi, je suis capable de vendre votre lait qu'on a refusé ici. Donnez moi-même un million d'euros ou deux millions d'euros. Je vais aller donner aux autorités camerounaises et elles vont accepter de fermer les yeux sur cette recommandation de l'organisme en charge de la vérification des produits de santé pour enfants. C'est comme ça qu'ils arrivent avec ça. Il voit pas fait bapu, il dit ça pas fait bapu. Oh, moi j'ai envie de voir. Je veux voir euh, une personne à la présidence qui peut m'aider vraiment. J'ai un gros conteneur de marchandises là qui doit entrer machin machin et tout ça. Voilà. Maintenant, il obtient le droit de faire entrer au Cameroun ce qu'on a refusé qu'on vende aux petits français, les amis. Quand vous entendez, je veux le permis d'importer ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est que les gars, pas te de prendre des marchandises qui ont été sorties du circuit. Parce que malheureusement, les normes sanitaires, les normes de santé publique n'ont pas été respectées. C'est ça qu'on vient vous verser là-bas en Afrique. Vous ne comprenez pas comment vous devenez déjà les femmes. Même les hommes sont comme, tiens les petites fesses. Non, les hormones qu'on met. Parce que vous savez qu'ici en Europe, on, 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 on cultive avec euh, des, on cultive des plantes fabriquées en laboratoire, ce qu'on appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que ce qu'on vient vous livrer, maintenant, le riz, les machins, là. C'est-à-dire qu'on a injecté des choses dedans qui peuvent perturber, on appelle ça les perturbateurs endocriniens. c'est-à-dire que endocriniens, c'est quoi, sont tes hormones? Vous mangez des choses avec des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que, quelque chose que tu manges, toi, tu es un garçon, ça commence à modifier ta testostérone tes tes, tes, tes et tu commences à te comporter comme une femme. Ça te fait avoir de la progestérone. C'est comme ça que vous voyez tous les garçons, les petits fesses commencent à tourner comme ça. Il ne fait pas esprit, les amis. On vous envoie des aliments avec des OGM. Qu'est-ce qui faisait l'Africain L'Africain mangeait le bio. Il mangeait le bâton de manioc avec le manioc qui pousse naturellement. Or, oh, aujourd'hui, les gens veulent les, 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 comment vous appelez ça, les agréments pour venir au Cameroun avec les choses qu'on refuse de vendre aux Français parce que c'est trop modifié. Il y a des perturbateurs endoctrinés. Dans les amis, vous ne devenez pas des lélés parce que vous voulez. Le léléisme, là, ça se trouve dans la nourriture qu'on vous importe, là. Les boîtes de lait, tu vois, une grosse boîte de lait, 1000 francs. Tu te demandes qu'est-ce qui est dans ce lait Il y a des perturbateurs endocriniens. C'est pour cela qu'on a refusé de vendre ça en Russie. Et vous, vos enfants boivent, l'enfant grandit, il est garçon, il fait tourner derrière les fesses comme ça. Il ne fait pas esprit, les amis. Il y a danger. Et donc le ministre de l'administration territoriale, les amis, doit laisser le ministre de la Santé exercer une de ses missions aussi, qui est la répression. J'ai dit que le ministère de la Santé part de la prévention à la répression. Oui, le ministère de la Santé a la mission de répression. Et les vaccins aussi. Il dit qu'il y a tellement de choses. Derrière ces affaires de corruption, là, derrière l'affaire Bapula, il y a beaucoup de choses qui se crachent, les amis. Si je m'assois ici pour commencer à vous détailler, un, 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 vous n'allez pas, on ne va pas s'en sortir. Vous, quand vous dites que quelqu'un paye 500 millions pour avoir le droit, c'est du sucre qu'on a refusé. C'est-à-dire qu'en France, avant de mettre, c'est-à-dire que je vous prends l'exemple toujours de la France parce que vous vous sentez très proche de la France. Je vous dis que pour commercialiser, que ce soit les, les même les produits de beauté, le simple savon que vous voyez ici, les blancs font trop d'examens. C'est-à-dire que avant de te donner l'autorisation de vendre un produit, dont il y a des entreprises malheureusement. Qui produisent, qui produisent et se retrouvent retoqués par l'organisme en charge de la vérification des normes. On dit non, ce produit ne peut pas être vendu en Union européenne. Quelqu'un a produit 400 000 tonnes. Il va faire quoi avec Il voit les gens au Cameroun. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça au Cameroun Là où on ne vérifie pas. J'ai vu une petite fille dernièrement sur Facebook où elle a mis quoi sur sa face au les boutons, on dit qu'elle voulait se soigner non, c'est des produits qui ne sont pas autorisés à la vente en Europe tout ce que les femmes font, le sans au Cameroun là, avec les mauvades, les topivates tout ça, c'est interdit à la vente et donc il y a des structures qui fabriquent cela en contrebande et envoient au Cameroun, ça entre propre et pour entrer, il faut faire quoi il faut être le protégé de l'amiral il faut être le protégé de tel il faut être le protégé de tel pour venir tuer les Camerounais et vous êtes sur Facebook, demandez, je ne sais même pas, pour faire les challenges. Je vous ai dit, que le burlesque a sa place dans l'art. Mais lorsque le, il n'y a que le burlesque, les gens aujourd'hui, c'est la fanfaronnade seulement. Vous refusez de réfléchir, les amis. Tout le monde a abandonné. De la même manière que les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. C'est comme ça aussi que, non, personne ne contrôle plus ce qui se passe dans l'espace public. Je vous expliquais que les amis, on avait des propositions à faire pour permettre aux artistes camerounais de pouvoir vivre de leur art. Mais nous ne voulons pas faire les propositions là à Paul Biya. Parce qu'on en a dit que le Paul Biya n'est plus l'homme de notre temps. Mais il n'empêche que je puisse partager avec vous une réflexion. Les amis, si dans l'APE, on demande à chaque parent aujourd'hui de payer le complément culturel à 2000 ou à 3000. Je vous ai dit que les Camerounais boivent trop l'alcool. Et il faut que les Camerounais sachent que soit ils portent le condom. Parce que malheureusement, on doit encadrer une population. On n'accouche pas comme ça. Tu entends T'es là, là, accouché, là accouché. à coucher, t'es C'est-à-dire les gens accouchent. Non. On doit contrôler. La croissance démographique. On n'accouche pas comme ça par hasard, les amis. Parce que les politiques publiques doivent programmer. En France, quand l'enfant est déjà à quatre mois dans la grossesse, dans le ventre de sa mère, la CAF, la caisse d'allocation familiale, est déjà au courant que nous devons déjà lui fabriquer une place à l'école jusqu'au, jusqu'à un terminal. Oui, l'enfant, c'est un projet de vie. On parle comme ça au hasard. Donc, je vous expliquais que L'État doit rendre, doit créer ce qu'on appelle une parentalité responsable. Celui qui dit que lui ne porte pas le condom, il veut faire les enfants, doit être responsable. Et dans le cadre de la responsabilité, oui, l'accès à la culture, c'est une obligation. L'accès à la culture, c'est un droit inaliénable. Vous voyez, aujourd'hui, les Camerounais sont acculturés. Ils n'ont pas accès à la culture, ils ne savent pas, ils n'ont pas lu les livres, ils n'ont pas lu Céline. Tu rencontres Camerounais, tu dis tu sais qui est Céline, il dit non, c'est la marque, c'est les chaussures, ils n'ont pas lu Céline. Ils ne connaissent pas Victor Hugo. Ils ne connaissent pas Eboussi Boulaga. Ils ne connaissent pas euh, euh, euh John Mwele. Ils ne lisent pas les Camerounais. Les Camerounais ne lisent plus, c'est des idiots ambulants. Et donc nous pensons que la culture doit être obligatoire. Et les parents doivent contribuer financièrement pour que les enfants qui mettent au monde soient cultivés. Et oui, c'est pour cela que nous pensons que à l'école, dès l'école, les parents, en plus de la scolarité, doivent, la scolarité doit augmenter pour permettre à ce que chaque enfant ait son passe culturel de 3000 francs qui va permettre, ne serait-ce qu'à chaque école, d'inviter de, deux ou trois artistes pour des concerts publics. Et lorsque les enfants, ne serait-ce que les, les artistes, euh, euh, attendez, lorsqu'un artiste sait déjà il y a combien d'enfants au Cameroun, il y a au moins, 10, il y a au moins 6 millions d'enfants scolarisés au Cameroun. Et donc, si on dit que chaque parent doit donner trois mille francs pour que les artistes camerounais fassent le tour du Cameroun pour faire des concerts, des théâtres, 6 millions fois 3000, ça fait combien les amis? Si on décide que ce ne serait-ce que ça, on partage ça entre artistes sérieux. C'est-à-dire que avant que tu ne fasses partie du pack euh, euh, artistes scolaires, on vérifie la qualité de tes tests. C'est-à-dire qu'on crée toute une commission pour décider sur les 18 milliards ou les 24 milliards qu'on va récolter là. On dit. Il y a une commission spéciale qui va désigner des artistes qu'on peut envoyer nos enfants écouter. Ça va les obliger à travailler non seulement sur la qualité des tests, mais sur les, la qualité des mélodies. Moi, je suis gênée quand je vois un enfant qui chante, tu me parles de ton ex, vous voyez un enfant, il est content. Tu es avec qui tu dors, tu me parles, je, je suis gênée. Mais il n'y a pas autre chose. Quand je vois un, une petite fille chanter le Dagobert, le Dagobert, le Dagobert. Non, parce que l'État camerounais ne protège pas nos enfants. Il devrait avoir une commission. Après avoir récolté les 24 milliards, on dit, même s'il n'y a que 10 artistes, c'est comment se diviser les 24 milliards là par les 10 artistes Et moi, je voudrais encore comment un artiste va crever, comme on voit les artistes camerounais crever il faut penser, c'est pour ça que je vous dis souvent que BIA n'aime pas les Camerounais. Les, des initiatives. S'inspirer de ce qui se fait en France, c'est l'État qui finance le passe culturel. À partir d'un certain âge ici, les enfants scolarisés ont 200 000. Quand vous entendez que les maîtres Gims, tout artiste en France est riche, c'est pourquoi Parce que tout enfant en France qui est scolarisé a une carte où l'État a déjà mis 200 000 pour qu'il paye les concerts et les théâtres et l'entrée dans les musées. Mais comme nous sommes dans un pays pauvre, l'État va solliciter euh, 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 l'intervention des parents. Et ça va pousser les mairies à construire les salles de spectacle. Puisque vous savez qu'il y a déjà l'argent. C'est-à-dire que dans cet argent, pour le passe culturel qu'on va récolter, que le ministère de la Culture va récolter auprès des établissements, on va construire les salles de spectacle. Moi, je me souviens quand on était petit. Moi, j'étais peut-être en CP. C'est vrai que Billette venait d'arriver au pouvoir, donc il continuait avec ce que Aïdjo avait institué. Je me souviens, on avait vu les otchamas. Et même le ministre Bidunkoat à l'époque, il était acteur de de théâtre mini-pam-pam. -pam. Mais à ce moment, on demandait à nos parents de payer 500-500. Et nous, vraiment, aucun parent ne refusait de payer. On a vu les otchamas, les, les mini-pam-pam-bidunkoat et tout ça. On était cultivés. Moi, j'étais fasciné par le théâtre parce que je regardais mini-pam-pam. -pam. Bidoun qui était acteur de théâtre. Oh, et et j'aimais lire les pièces de théâtre, euh, euh, Molière et tout ça, parce que voilà. On nous apprenait l'amour du théâtre à l'époque, à l'école. On lisait les pièces de Molière. C'est pour ça que vous venez vous émerveiller aujourd'hui. Devant, je crois que ma génération, c'est la dernière génération qui peut s'exprimer avec aisance en français. Parce que nous, on a lu les livres. On a lu les livres. Mais la génération après nous, est-ce que vous savez même parler le français? Nous, on a lu la forêt illuminée du professeur Jérôme Mendozé. Est-ce que vous avez lu les livres, vous là? Oui, malheureusement, parce que l'État a abandonné votre éducation. Tout ce qui vous les intéresse, c'est de permettre l'importation des mèches. Même dans les mèches, là, on a dit qu'il y a des substances. En dehors des mèches naturelles qui sont les cheveux des êtres humains, tout ce que vous utilisez comme mèches synthétiques, on dit qu'il y a des perturbateurs endoctrinés. C'est-à-dire qu'il y a des substances dans les mèches, quand on fabrique les mèches, qui dérangent les hormones des femmes. Mais on s'en fout, tout le monde veut ressembler à Chantou. Il faut les mèches, les kilos de mèches dans les cheveux. Les amis, il y a beaucoup de choses que l'État doit faire pour vous. Parce que oui. On a besoin en 2025 d'avoir à la tête de l'État un homme qui a un projet de société. Pas quelqu'un qui dit que lui veut mourir au pouvoir. Est-ce que mourir au pouvoir, c'est une option C'est pas une option. On ne s'engage pas en politique parce qu'on veut, on veut pas un mandat politique parce qu'on dit qu'on veut les obsèques d'un président. On dit non. Nous disons qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a eu la chance. À cette époque-là, oui, les Blancs venaient de partir. Euh, Bia venait de prendre le pouvoir. Donc, il, il avait encore le souci de bien faire parce que mentalement, il était encore jeune. Il surveillait. Bia, je vous dis, c'était un homme rigoureux. Nous, on a eu la chance d'avoir le Bia rigoureux, efficace. Oui, nous sommes la génération Bia. La vraie génération. Pas la génération Chantal Bia. Parce qu'après 70 ans, c'est Chantal Bia qui gouvernait le Cameroun. Nous, nous sommes la génération Bia. Nous avons connu la vraie école. Là où l'instituteur était une personnalité respectée. Ma mère a été enseignante avant de, de changer de corps de métier. Tous les enfants que ma mère a enseignés à l'époque, non, ils avaient beaucoup de respect jusqu'à aujourd'hui, ils se souviennent. Parce que ma mère a été une bonne enseignante pour eux. À l'époque, on savait que l'enseignant du coup, moyen de, on avait au moins le bac. C'était l'enseignant le plus diplômé. Aujourd'hui, on donne 17 000 à un enseignant. C'est pour qu'il vous enseigne quoi Le banditisme Le vol même, même dans les familles, quand un homme a des enfants étant très, très vieux, là, on sait que ces enfants-là n'auront pas d'éducation. Parce qu'il n'a pas le temps. Non seulement il n'a pas le temps. Les enfants qui sont élevés par des grands-parents, vous voyez toujours comment ils sont. Aucune rigueur. Nous, on a connu, nous, on a été élevés quand Bia était encore Bia. Je vous dis que moi, je suis né Bia avec 49 ans. C'est-à-dire que quand nous, on commence à aller à l'école primaire, c'était à l'époque où on obligeait trois ou quatre maîtresses à l'école primaire. Ça ne rigolait pas. Moi, j'ai commencé à chanter l'hymne national du Cameroun. J'étais en. en, en euh, 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 on nous apprenait l'hymne national du Cameroun, c'était à, 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 à en petite section. Et je vous dis qu'il y avait ce qu'on appelait obligatoirement à partir de la maternelle, hein, la levée du drapeau. Où je dis, est-ce qu'il y a même encore ça dans les établissements scolaires Ça dit qu'on nous a appris le respect du drapeau camerounais dès l'école maternelle. Non, les ministres même là, tous leurs enfants étaient dans l'école publique. Il n'y avait pas eu une affaire que oh, Fustel, non, parce que les ministres savaient. Nous, à l'époque, on entre au lycée Leclerc. C'est vrai que le président était déjà peut-être un peu vieux, mais même là, il surveillait encore. Le lycée Leclerc, c'était pas, c'était comme un collège privé. Tous les ministres, leurs enfants étaient là-bas. Les ayants Luc, les, les, tous les ministres, tous les enfants des ministres étaient, avec, euh, étaient au lycée Leclerc. C'était un lycée public. Et quand tu as fait le lycée Leclerc, non, la qualité des enseignants qu'il y avait là-bas. C'était un autre niveau. Parce que le président, étant lui-même un ancien du lycée Leclerc, non, on ne badinait pas avec le lycée Leclerc. Mais aujourd'hui, le président est devenu faible. Il ne fait pas exprès. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Si vous aimez le président, il y a des, des mafias, je vous l'ai dit depuis le début, qui ont pris le président en otage. Le président ne contrôle plus rien. Dans les amis. Prenez votre destin en main. Disons à notre papa d'aller se reposer. Qu'il soit mort ou qu'il soit en vie. Ou... Ça ne nous concerne pas parce que nous, on a pleuré pour billard depuis sept ans. Le président est parti depuis sept ans. Depuis des années, le président n'est plus là. À l'époque, il y avait des hommes, par exemple, comme les, 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 les tapis, les ndans mais Ceux qui connaissent dents Tu ne pouvais pas venir l'Assemblée, tu portes la mini-jupe. Les hommes de cette trempe-là sont partis. Aujourd'hui, quand on voit une fille boulot, on dit oh, c'est des prostituées. À l'époque, tu ne pouvais pas porter une mini-jupe. Ce n'était que le maire, hein. Un maire qui faisait arrêter les filles parce que tu as porté une mini-jupe. Des hommes qui aimaient leur pays, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires, des affairistes qui veulent s'enrichir, ils veulent aller manger au fémous. Et lorsqu'il y a une petite bagarre au fémous, on voit tout un ministre de l'État qui interpelle son, son, son collègue. Parce qu'il a lui la bagarre au fémus. Non mais... Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi, les amis? Je ne vous lisais pas. Hein, parce que vous savez que quand je me mets à professer, c'est comme si. Tchouf, Maintenant, je vais je vais lire vos directs, les amis. Je dis que Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le père. Moi, j'avais parlé ici de la l'affaire de Chantal. Vous avez dit que Malène est mal élevée. Oui, mais je suis une fille de Sam Lima. Chantal Bia, elle-même sait que nous, on insulte tout le monde. Donc, ce n'est pas grave. Mais je suis en train de dire que maintenant que ses proches collaborateurs disent ce que disait dans le direct, vous allez encore me chercher pour me tuer. Pourquoi Tu es bas pour aussi tuer l'amiral. L'amiral dit que Chantal Bia, c'est un problème au Cameroun. L'amiral dit que les gens-là ont pratiqué sur le président. Quand ah, je dis ça ici tous les jours, vous dites que, oh Marlène, tu es avec tes choses de la lame bimbou. Je dis que non, là-bas, c'est les marabouts qui dirigent le Cameroun. On dit que le marabout a dit que, eh, l'homme de la maison <laughs> a pratiqué sur le président. Est-ce que c'est moi qui dis? Est-ce que c'est moi qui dis? Ce n'est pas moi. Quand il vous dit que là-bas, c'est le far ouest des marabouts. Vous avez entendu ça dans le voice. Est-ce que moi j'avais déjà écouté le voice quand je vous ai dit ça? Voilà. Donc maintenant vous me cherchez pourquoi? Vous me tuez pourquoi? Alors que je dis ce que l'amiral dit, mais il se cache. Il se cache, il dit, mais il se met à me chercher. Alors que lui-même il sait que Chantal Bia dérange. Donc il fallait que publiquement il vienne dire à Chantal Biaka, attention, le mariage n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas parce que le président l'a épousée qu'elle va venir manquer de respect à la plus haute autorité des écrans. On dit non. Qu'elle va venir manquer de respect à un patriarche. Il fallait que je sorte pour qu'elle se calme. Oui, elle s'est calmée. C'est bien. C'est pour ça que je ne l'insulte plus. Parce qu'elle voulait dire... Mais attends, une première dame qui bagarre avec le chef de l'État devant l'armée parce que le chef de l'État lui dit mm -hmm. laissez dans la voiture, je fais la rupture des troupes. » elle se bagarre avec le président. On montre à la télé. On dit que non. Et personne n'a le courage parce que tout le monde a peur d'elle. Nous, on a dit que c'est notre frère, c'est notre père. On vient, on parle. Que attention. Quand Aïdjo a donné le pouvoir à Bia, c'est parce que Bia était un homme sérieux. Bia n'est pas dans la fantaisie. C'est quoi le problème que le président veut faire la revue des troupes Une jeune yoyette, elle le tire. non, ça, 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 à la maison. Donc il fallait qu'on attire l'attention du président dessus et les collaborateurs du président nous rejoignent dans cette analyse-là. Que la première dame, c'est la vie privée du président. Il faut qu'elle arrête de se mêler des affaires de l'État. C'est elle qui monte la tête aux petits troubadours comme les machins, les, les tout ça, tout ça, tout ça. Tout le monde, tout le monde fait ce qu'il veut au Cameroun aujourd'hui. L'État a perdu son autorité. Et donc malheureusement, oui, les amis. Euh, malheureusement. Mais nous, on va faire toujours des analyses. On va sensibiliser. Donc, je vous remercie d'être venu. Euh, je n'ai peut-être pas lu vos, vos commentaires. Je vais prendre le temps parce que je sais que vous avez laissé de nombreux commentaires. Vous savez, j'aime être avec vous. Quand vous me demandez Marlène un direct, je suis rentrée du boulot, je suis fatiguée. Mais j'ai créé cette page pour être avec vous, donc de temps en temps. Quand c'est nécessaire, je viens, je vous laisse les analyses. Donc sur ce, bisous les amis et puis à très bientôt.